Donc je me présente rapidement, donc je suis enseignant-chercheur, je suis en poste à l'université Lyon 2. Voilà, il y a deux éléments qui permettent un peu de parler de logiciel et d'enseignement, c'est que je suis enseignant-chercheur en poste effectivement à l'université, donc ça fait un certain nombre d'années que j'enseigne. Et l'autre élément clé également, c'est que je suis concepteur de logiciel, hein, pour l'enseignement, donc réellement. Voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, parce que c'est très important. On forme des étudiants qui vont en entreprise, il faut qu'on sache exactement ce qu'on leur propose, parce qu'on peut les enfermer avec nous. Hein. Quand on utilise un logiciel pour former des étudiants, il faut qu'on soit sûr que ça leur permette réellement de les valoriser sur le marché de l'emploi par la suite. Voilà. Et la question, elle n'est pas aussi simple que ça en fait. Voilà, donc je fais aussi des tutoriels et tout ça. Hein. Voilà, c'est ma principale activité actuellement. J'ai deux priorités. Voilà. Ma première priorité, c'est le Master 6 dont je m'occupe. Il y a une partie de mes étudiants qui sont là, ils sont sympas de venir. Voilà, ça c'est ma première priorité. Ma deuxième priorité, c'est les tutoriels. Donc j'en écris beaucoup, je passe beaucoup de temps à ça. Je lis énormément, je teste, voilà. Et quand je pense que j'ai quelque chose à dire là-dessus, j'écris un tutoriel et je le mets en ligne. Voilà. Alors, je parle très rapidement du Master 6, c'est un master dont je m'occupe depuis un certain nombre d'années déjà, depuis 2013. Voilà, et il y a trois axes forts. Il y a un, c'est les méthodes de statistique data mining. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est l'informatique. Et je vois un certain nombre d'enseignants ici qui interviennent dans nos formations également. Ça fait très, très plaisir de les voir. Voilà, et une troisième partie sur l'application. Et l'élément central dans tout ça, en réalité, c'est les outils. Et les outils qu'on utilise, il n'y a pas de secret, c'est R et Python. R et Python. C'est un élément qui est très important. On n'a pas fait le choix de R ou Python, on a fait le choix de prendre R et Python. Et justement aujourd'hui, ce que je vais essayer de montrer, c'est la chose suivante, c'est qu'on peut avoir les deux. Ah. Alors il y avait plein de manières de présenter cette chose-là. En fait, il y avait plein de manières de la présenter. Je peux faire un panorama de R avec ce qu'on peut faire avec, mais je ne serai jamais exhaustif en réalité. Pareil, je peux parler de Python aussi, de ce qu'on peut faire avec également. Ça peut être pareil, mais là, je ne pourrais pas tout dire. Et je ne suis même pas sûr de tout couvrir. Et donc, j'ai fait le choix de présenter donc, sous la forme d'un cheminement personnel. Voilà. Ça fait des années que j'enseigne. Ça fait des années que je m'interroge sur l'intérêt de ce que je fais. Et donc, ça m'a amené à faire des choix, à faire aussi des actions. Et au final, ça aboutit au fait que je suis en train littéralement de gaver mes étudiants de R et Python. On en est à ce stade-là. Là. Mais ça leur sert réellement. En tout cas, j'espère. J'espère que ça leur sert réellement. Voilà. Donc je vais reparler de Tanagra pour le coup. Donc sous les prémices d'abord, ce que j'ai fait au départ, donc un bout de réflexion. Voilà. Ensuite, cette réflexion-là m'a amené sur Tanagra, voilà, que j'ai conçu pour l'enseignement vraiment essentiellement, en faisant un mix avec Excel, qui était une compétence qui était très importante pour moi à l'époque. Voilà. Mais on ne s'est pas arrêté là. Heureusement qu'on évolue à l'université. Hein. On pourrait penser que l'université, c'est uniquement des formations théoriques avec des cours en amphi. Ce n'est pas vrai. Dans les universités, on fait des vrais TD, on fait des vraies qualifications avec des vrais projets. Et pour faire ces projets-là, typiquement, on utilise des vrais outils. Voilà. Et les outils qu'on utilise réellement aujourd'hui, c'est R et Python, justement. Voilà. Donc, après, je finirai par une étude donc, des offres d'emploi, justement, qui sont dans notre domaine. Et on verra effectivement que ces outils-là sont très importants aujourd'hui. Ils sont très importants dans le monde, mais aussi en France, dans les offres d'emploi en France. Et ça, c'est l'aspect qui est important. Voilà. Donc, sur la première partie, je vais aller un peu vite pour montrer tout simplement le cheminement. Et je vais prendre un peu plus de temps sur R et Python en faisant donc des démonstrations. J'ai répété tout l'après-midi, donc théoriquement ça ne doit pas planter. Hein, mais bon, vous m'accorderez le bénéfice de l'erreur si avec le stress je clique là où il ne faut pas et que ça plante. Mais normalement ça marche, hein, j'ai quand même bien répété. Voilà. Alors très rapidement, les prémices en réalité, c'est quand j'étais étudiant. Alors j'étais étudiant en économétrie, j'ai un cheminement un peu particulier, mais bon, tous les chemins mènent à Rome, donc voilà, j'y suis maintenant. Je parle de ta science, Rome, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, quand j'étais étudiant en maîtrise d'économétrie, on avait un projet à faire, c'était donc faire du calcul économétrique, hein, de la régression. Alors ça, c'est très marrant parce que l'économétrie, ça paraît très centré sur l'économie, mais sur Coursera, si vous allez sur le cours d'Andrew Ng, son premier cours sur son MOOC là, en machine learning, c'est un cours d'économétrie. Il l'appelle différemment, il l'appelle sous l'angle de la régression, il l'appelle, voilà, mais c'est exactement les cours qu'on fait en économétrie en réalité. Donc j'ai fait du machine learning bien avant l'heure, hein, sans le savoir. C'est comme celui qui faisait de la prose sans le savoir. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais un projet à faire. Et l'enseignant, donc c'est Patrick Sylvestre-Paron, pour qui j'ai vraiment beaucoup de considération, m'avait dit ce serait bien que vous fassiez un petit truc qui marche. Voilà. Donc je me suis dit, bon, moi je programme énormément, j'ai programmé plein de choses dans ma vie. Et je me suis dit, je vais programmer le projet, voilà, et comme ça, je rends le projet et je rends ensuite le logiciel. Voilà. Donc je l'avais fait. Donc j'avais rendu ça, il m'avait donné une note, hein, et il m'avait dit surtout, bon la note,
enfin si, c'est important quand même pour avoir le diplôme, mais surtout ce qu'il m'avait dit, c'est bien ce que tu as fait et j'aimerais l'utiliser pour mes enseignements. Alors, c'était pas mal ça, c'est vraiment pas mal. Donc je me suis dit, ah ça c'est intéressant, je dis mais ok. En fait la seule différence c'est quoi, le seul problème c'est quoi? C'est que j'ai pris le logiciel pour moi. Et là c'est différent, c'est un logiciel en fait qui va être utilisé par d'autres personnes. Donc on pose la chose de manière différente à ce moment-là. Il faut qu'on anticipe ce qu'on va en faire les gens. Et donc c'est une des premières fois où je me suis dit, comment les gens vont le percevoir cet outil-là. Je vais le proposer, il va le proposer à d'autres personnes, mais comment ils vont le percevoir et comment ils vont l'utiliser. Et c'est des questions clés, ça. C'est des étudiants qui sont formés sur l'outil, en tout cas qui sont formés sur la théorie, et ils vont utiliser l'outil, et ils vont en garder quelque chose. Et donc c'est une question qu'il faut se poser. C'est comment ils vont le percevoir et est-ce que ça leur sert réellement. Donc j'avais donné tous les codes sources et tout ça, voilà. Ensuite moi je suis parti ailleurs, j'avais fait une partie de mes études à Paris, et je suis revenu sur Lyon pour X raisons, et là j'ai commencé une thèse de doctorat, voilà, c'était au laboratoire Eric à l'époque, voilà, il m'a vu revenir, il m'a dit, j'essaie d'utiliser ton outil là, mais il est trop abscon pour les étudiants, est-ce que tu pourrais en faire un truc un peu plus facile à utiliser, voilà, et qu'on puisse exploiter les sorties, voilà. Et en réalité c'était très intéressant ce qu'il m'a dit. Parce que je me suis dit, effectivement, il y a une question clé, c'est comment on peut l'utiliser. Et il faut que ce soit conforme aux standards du domaine. On ne peut pas former des étudiants sur des outils qui marchent d'une certaine manière. Et quand ils sont en entreprise et qu'ils ont des outils par ailleurs, bah, ça marche différemment. Donc, et du coup, la formation ne sert à rien. Donc voilà. Donc j'avais travaillé là-dessus, voilà. Et ensuite, je l'ai filé et je l'ai mis en ligne. À l'époque, c'était les débuts d'Internet. 95 par là, c'était les débuts d'Internet. Donc j'avais mis sur en ligne. Mais je pense que le seul qui l'a utilisé, c'est lui réellement. C'est quasiment le seul à l'avoir utilisé, je pense. Et je l'ai intégré dans un package. En fait, je l'ai mis dans un package complet où j'avais mis Cipilin. J'avais développé par la suite. Voilà. Je montre un peu rapidement, parce que c'est quand même mieux. Hein, comme ça, quelqu'un au moins le verra dans sa vie, cet outil-là. Hein. Ça, c'est les TD qu'il faisait, hein, Patrick. Voilà. Donc, c'était ça. Ben, donc, il l'utilisait encore en 2005. Voilà. Il avait fait un fichier d'aide. C'est le seul à l'avoir fait. Même moi, je l'ai fait qu'après. Voilà. Donc voilà, c'est un TD qu'il avait fait par ailleurs. Alors je ferme, comment on ferme ça déjà? Tac, 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 voilà. Je fais une petite démo, parce que ce que je veux vous montrer, c'est l'influence. Et l'influence, en fait, elle n'était pas, elle avait pas de secret à l'époque. Les logiciels phares, à l'époque, que j'utilisais en tout cas en tant qu'étudiant, c'était soit Statistica, soit SPSS. Et quand, du coup, quand j'ai programmé l'outil en question, ben, je me suis calé sur ça. Typiquement, c'était SPSS réellement. J'avais SPSS en tant qu'étudiant, donc j'ai beaucoup étudié, et du coup, j'ai calqué donc le mode d'expression du logiciel sous le format d'SPSS, avec le même système de menu, ainsi de suite. Alors, pour faire une petite démo, j'ai pris un exemple assez marrant. Là, c'est le nombre de fois d'infidélité dans les couples, et là, c'est les causes possibles. On va essayer de voir qu'est-ce qui permet de prédire le nombre d'affaires l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement les affaires, si en fait, mais je ne vais pas le dire. Alors allons-y, donc je sélectionne les données dans Excel. Donc ici c'était très important que ce soit dans Excel, parce qu'Excel est un outil qui est très utilisé. Ça aussi c'est un élément clé. On parle beaucoup de data science, on parle beaucoup de R et Python, je suis moi-même très R et Python, il n'en reste pas moins. Que dans une partie du métier de la statistique, le chargé d'affaires, Excel est extrêmement utilisé. Et donc, le fait qu'on marie un outil avec Excel, ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage également. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça évolue, mais il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années encore plus, Excel, c'était le logiciel de référence. Clairement, quand on fait chargé d'études statistiques, c'est le logiciel de référence. Et il fallait qu'on forme les étudiants là-dessus. À l'époque, en master, en DESS, à l'époque, sur les 20 étudiants qu'ils pouvaient avoir en DESS, il y en avait au moins une dizaine qui n'avaient jamais utilisé Excel et qui allaient sur le marché du travail le lendemain. Donc, c'était, voilà. Donc, marier ces deux outils-là, c'était un élément très important. Un outil statistique par ailleurs et puis Excel par ailleurs. Alors, je lance ça. Donc, ça, je l'ai fait par la suite. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Je l'ai mis ici dans Excel. Je l'ai mis dans un package qui s'appelle Cipina. Et voilà, je vais lancer la régression et ça lance le logiciel et ça charge les données. Voilà. Et là, typiquement, c'est l'interface qu'il y avait dans les logiciels de l'époque, du milieu des années 90, qui était pilotée par menu. Donc on a les données dans une grille, SPSS c'est comme ça, c'est pareil comme sous Statistica également, et on a les menus en haut, on sélectionne les données, on lance des traitements. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Donc là, je le fais très rapidement, parce que l'affaire en elle-même, hop, voilà, devant vous. Voilà, et je lance les traitements, et j'ai les résultats. Donc, on a les sorties qui sont conformes donc, en fait, aux standards du domaine, et on a les coefficients qui sont là. Ça, c'est les coefficients de la régression, on appelle ça.
Voilà. Donc là, typiquement, quand le coefficient est positif, ça veut dire que ça entraîne plus d'affaires. Quand le coefficient est négatif, ça veut dire que ça entraîne moins d'affaires. Et là, ce qu'on a, c'est la significativité. Est-ce que la variable joue un rôle important ou pas? Voilà. Très bien. Donc là, typiquement, bah, plus on a des années de mariage, plus on trompe son conjoint. C'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien. Ça fait 20 ans déjà, mais bon, voilà. Plus on est religieux, et moins on trompe son conjoint. Je ne sais pas également, je ne vais pas m'avancer dans les explications, hein, clairement pas. Et là, c'est le rating du mariage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est heureux en ménage. Hein, c'est une forme de satisfaction par rapport au ménage. Et là également, bah, plus on est satisfait, et moins on trompe son conjoint. Ce qui tombe un peu sous le sens. Bon. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Ce qui est très important également, ce que m'a dit Patrick, c'est qu'il m'a dit, ces résultats, c'est bien, mais il faut qu'il l'inclue dans un outil par la suite, hein, qu'il puisse récupérer ces résultats-là. Et typiquement, c'est pour ça que j'ai rajouté ici un élément où on peut copier les résultats et les coller dans Excel. Voilà, on peut récupérer les résultats, faire les rapports, ainsi de suite. Donc, ce qui est très important que je veux dire dans cette histoire-là, bon, ça me fait plaisir de montrer un outil que j'ai développé il y a plus de 20 ans, mais l'autre élément important, c'est que, et quand on développe des outils pour les étudiants, il faut qu'on soit sûr que ça respecte les standards du domaine. Hein. Parce que quand ils vont en entreprise derrière, ben ils vont utiliser des outils, pas les mêmes outils, forcément pas, mais il y a une trame qui doit suivre. Et il faut que cette forme de trame-là, il faut qu'elle apparaisse quelque part sur les outils que nous, on utilise. Voilà. Très bien. Donc ça m'a permis de beaucoup travailler. Et à la suite de ça, au laboratoire, ils ont vu ça. J'étais encore étudiant à l'époque. Hein, et ils m'ont dit, il faut que tu fasses une thèse. Il faut que tu fasses une thèse avec nous. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas après tout. Et à l'époque, ils avaient développé un outil, c'était donc Cipina. Cipina, alors la Cipina, c'était la version 2.5. C'était un projet étudiant à la base. Donc il y a une série de personnes qui ont travaillé dedans. Ensuite, moi, je suis arrivé en 95 où je me suis occupé donc, de la partie règles. En fait, j'ai fait mon stage de DESS dans le laboratoire Eric. Et voilà. Et ensuite, quand j'ai fait ma thèse, donc j'ai travaillé dessus. Voilà. Et c'était le logiciel phare du laboratoire. Hein, à l'époque, quand les gens parlaient de laboratoire Eric, c'était Cipina. Il y avait quasiment une bijection entre les deux. Dans l'esprit des gens, c'était « Ah, laboratoire Eric, c'est Cipina !» Alors, voilà, ainsi de suite. Voilà. Et ça, c'est un aspect qui est très important dans la recherche. Le seul bémol que je peux avoir par rapport à cet outil, déjà, c'est qu'on n'avait pas bien choisi. Est-ce que c'est un outil de recherche pour faire des publications, ou c'est un outil pour les enseignements, ou c'est un outil commercial qu'on veut plus, parce qu'il y a toujours le fantasme à l'université, hein, de l'industrialisation. Hein, tout le monde parle de ça, voilà. Mais quand on fait un outil, qu'est-ce qu'on vise exactement? Et le problème avec cet outil-là, c'est qu'on n'a jamais choisi. Du coup, il a toujours oscillé entre qu'est-ce qu'on veut en faire, libre ou pas libre, est-ce qu'on met le code en ligne ou pas, ainsi de suite. C'était un vrai souci. Voilà. Donc, je montre rapidement également, ça me fait très plaisir de le montrer également ici, mais le problème, c'est qu'on avait fait le choix de prendre une librairie. Là aussi, c'est un choix qu'il faut faire attention quand on fait des logiciels libres. C'est qu'on avait pris donc une librairie payante, voilà, donc de Turbo Power Software. Hein. Et cette librairie-là, elle marche uniquement que en fait, sur les PC 32 bits. Voilà, 16 et 30, 16 à l'époque, hein, 16 bits à l'époque. On était Windows 16 bits à l'époque, ensuite 32 bits. Et quand on est passé à 64 bits, ça ne marche pas. Bon, donc c'est pour ça que j'ai dû ici le lancer sous une machine virtuelle. Hein. Donc, je lance très rapidement également, et je montre surtout les auteurs. Hein. Voilà. C'était un projet étudiant. Hein. Donc, les étudiants, là, dans le fichier d'aide, je montre ici. Voilà. J'ai mis tous les noms, là. Ils sont dans le fichier d'aide. Voilà. Voilà. Donc, les étudiants, à l'époque aussi, faisaient des bons projets. Hein. Il n'y a pas que maintenant. Maintenant aussi, ils font des bons projets. Hein. Bien sûr, hein. ils me regardent, donc il faut que je le dise. Mais à l'époque aussi, ils faisaient des bons projets. Hein. Donc, il y en avait toute une série. Bon, les vrais maîtres d'art, d'œuvre, voilà, c'est Renaud Bach et Lionel Ponsard, surtout Lionel Ponsard. Voilà. C'est les vrais, vraiment, qui ont fait toute la maquette derrière, ainsi de suite. Moi, je suis arrivé vers la fin, j'ai rajouté des règles, ensuite, je l'ai fait vivre pendant 2 ans. Voilà. Alors, j'ai fait une petite démo, quand même. Voilà. Donc, je vais prendre les fichiers Iris. Hein. J'imagine que tout le monde connaît les fichiers Iris. Voilà. Donc, on a chargé les données et je lance les calculs. Et voilà, on a un arbre de décision. C'était pas très sexy à l'époque. Hein, voilà. Mais ça marchait. Et en 95, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand monde. Hein, il n'y avait pas grand monde qui faisait des logiciels qui étaient disponibles sur Internet. Hein, voilà. Donc là, c'était des graphes d'induction. En fait, c'est comme des arbres de décision, mais ça fait des fusions derrière pour faire des rééclatements. Hein. Donc j'ai travaillé là-dessus. Le titre de ma thèse, c'est graphes d'induction. Hein, le titre de ma thèse, c'est graphes d'induction. J'ai travaillé là-dessus. C'est une bonne méthode
Le seul bémol qu'on peut avoir, c'est pour ça que je ne travaille plus dessus là-dessus, c'est que les règles sont très complexes. En fait, on a des règles avec des « ou ». Voilà. Et du coup, effectivement, on gagne sur le biais de l'erreur parce qu'on a un système de représentation qui est plus performant, mais on colle trop aux données, du coup, on perd sur la variance de l'erreur. Donc, finalement, sur les arbres classiques, ça ne gagnait pas beaucoup. Mais du point de vue de la théorie, il y avait des choses vraiment intéressantes là. Voilà. Donc, ça, c'était très bien, mais il y avait plein de choses qui m'ennuyaient. Et la principale chose qui m'a ennuyé, c'est qu'il n'était pas performant du tout. Il n'était pas performant du tout parce que quand on fait un logiciel à plusieurs mains, si on n'a pas un chef de projet qui cadre tout le monde, chacun fait comme il veut. Et après, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc, je l'ai fait vivre jusqu'à la fin de ma thèse. Une fois que j'avais fini ma thèse, je me suis dit, il faut que je refasse la chose, mais à ma manière cette fois-ci. Donc, j'ai fait la CPNA version 3. Et moi, pour moi, à l'époque, c'était un outil de recherche pure. C'était vraiment un outil de recherche pure où l'élément clé, c'est la performance. C'est un élément clé, même à l'époque. À l'époque, quand j'ai commencé quand j'ai commencé l'informatique, j'avais 8 kilo-octets. Mais à cette époque-ci, c'était autour de 256 mégas. J'avais une machine avec 256 mégas de RAM. Ce qui est déjà beaucoup à l'époque. C'était des super machines. Voilà. Donc, mais quand on charge des données en mémoire avec des processeurs qui ne sont pas très performants, ça prend du temps. Du coup, l'optimisation de calcul était un élément clé. C'est ce qu'on voit par ailleurs. Là, typiquement, il y a des étudiantes chez moi qui ont fait des stages et ils me disent « Python, c'est plus rapide que R ». Je dis « Très bien, ok, pourquoi pas, moi je veux bien le croire si on me le dit, mais montrez-moi pourquoi. Est-ce que c'est un problème de package? Est-ce que c'est un problème du cœur même du système ?» Et ainsi de suite. Il me dit, on a testé, et on voit que c'est plus rapide. Mais non, il faut bien qu'on cadre les choses et qu'on sache exactement sur quel plan en fait, il y a une différence. Ça, c'est un élément clé quand on observe les logiciels. Et moi, à l'époque, c'était vraiment l'élément numéro clé. Donc, l'élément numéro 1, c'était la performance pure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait là. Je vais le lancer ici. Hop là. Voilà. Oui, ça, c'est une petite anecdote que j'ai dit à mes étudiants. C'est ma vie, elle se résume à ça. Ma vie, elle se résume à R, Spider, c'est Python, ensuite Excel, voilà, Cipina, Tanagra et Nine, qui est aussi un super logiciel. Typiquement, quand je fais des remises à niveau pour mes étudiants en début d'année, comme ils n'ont pas le même niveau en informatique encore, parce qu'ils viennent d'horizons différents, pour les mettre à niveau sur, d'une part, donc la partie supervisée du data mining et la partie non supervisée, en fait, pour ramener tout le monde sur le même cadre et ne pas perdre personne, pour ne pas perdre des gens en route, typiquement, donc l'outil que j'utilise, c'est Nine. C'est un des seuls, j'en parlerai à la fin, c'est un des seuls vraiment libres où on a des vraies fonctionnalités très performantes, réellement. Et on a plein de plugins, en réalité, qui sont performants également et qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Je n'ai pas prévu de démo parce qu'il est super lourd et mon PC, malgré qu'il soit bien, il n'est pas suffisamment bien quand même. Voilà, mais je vous montrerai des tutoriels que j'ai fait par ailleurs sur l'image mining, sur le text mining, où on se rend compte qu'on peut avoir relativement facilement des résultats réellement performants. Mais j'en parle à la fin, des logiciels libres justement. Est-ce qu'il y a des alternatives à R et Python? C'est aussi une question clé, il ne faut pas qu'on soit enfermé. Alors je fais rapidement, je lance Cipina. Hop là, je charge les données, donc c'est les fichiers, c'est les ondes de Bremen. Ceux qui ont fait data mining connaissent un peu. En gros, c'est des données qui sont recueillies par des radars. Voilà, c'est des données fictives, c'est des données générées. Et on a trois types d'objets. C'est ce qu'on a mis ici, là-bas, classe. Il y a trois types d'objets possibles. Je ne sais pas, A, c'est un avion peut-être, B, c'est un dirigeable, C, je ne sais pas ce que c'est, le nuage. Voilà. Et les autres variables, c'est des mesures. Mais bon, c'est des données fictives. En fait, le gros intérêt des ondes de Bremen, c'est qu'on a un générateur déjà. Donc on peut en générer autant qu'on veut. Voilà. Et l'autre élément clé, c'est qu'on connaît l'erreur théorique. C'est 16%. On ne peut pas faire mieux que 16% de taux d'erreur. Voilà. Donc, ça permet de situer les différentes méthodes. Qui s'approche le plus des 16% d'erreur? Très bien. Donc là, j'ai chargé 500 000 individus avec 22 variables. Voilà, c'est relativement rapide. Voilà. Et je vais lancer un arbre de décision. Voilà. Donc là, classe, c'est le type d'objet en variable cible et les autres en prédictive. Et je lance les traitements. C'est un outil en fait, que j'utilise encore aujourd'hui pour mes enseignements, malgré son âge, 98, 97. En fait, j'ai réfléchi à partir de 97, je l'ai développé sur 97-98, et il était prêt vers septembre 98. Voilà. Donc voilà, on a les arbres de décision qui sont là, et je vais la simplifier un peu parce que sinon il est trop grand. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un outil que j'utilise encore maintenant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le seul logiciel libre au monde où on a des fonctionnalités qui sont interactives. Il y a plein de logiciels qui ont des fonctionnalités interactives.
mais tous sont payants. Le seul qui est libre, c'est Cipina. C'est pour ça que j'utilise, hein, en le mariant avec Excel. Donc, un de mes TD que je fais en, en Master 1 chez nous, donc c'est l'introduction à Data Mining. Il y a une partie sur l'analyse discriminante, une partie sur le scoring et une partie sur les armes de décision. Et sur la partie armes de décision, je l'ai fait travailler sous R par ailleurs, si j'ai bien le cadre, mais par ailleurs également, je l'ai fait travailler sous Excel plus Cipina pour qu'il voit une fonctionnalité qui est très importante, c'est j'explore de manière interactive les sommets d'un arbre de décision. Hein. Là, typiquement, si on est sous R ou sous Python, hein, bon, les graphiques des arbres sous Python, mais je crois que ça a évolué. Mais à l'époque où j'avais testé, on n'avait pas des sorties graphiques simples. C'est qu'on a un système d'arbres comme ça avec les règles de résultat, et puis on s'arrête là. Et on ne sait pas le rôle qui sont joués, enfin le rôle qui est joué par les autres variables, typiquement. Là, sur les 21 variables, il a pris V7, V11 et V16, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les autres variables. Et donc, on aurait tendance à dire que les seules variables pertinentes, c'est celles-là, et pas les autres, qu'on peut jeter en camp. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. En fait, ces variables qui ne sont pas prises là, elles sont masquées par les autres. Et ça, pédagogiquement, il faut l'expliquer. Et si je le fais uniquement avec le R, moi, avec R, mon cours, avec Python, non, on ne peut pas avoir à l'intérieur. On peut avec RPart. J'ai retrouvé un tutoriel qui a été fait sur RPart, mais un TD, c'est 1h45. Donc, si je commence à dire, attention, il faut faire telle commande, ensuite lire ça, c'est du temps perdu. Voilà. Et je perds les étudiants, ce qui n'est pas possible. Hein. Les étudiants sont très exigeants de nos jours. Hein. Je le dis, on est dans une époque où il y a le smartphone, il y a tout un tas de trucs et tout ça, donc il faut qu'on soit bien cadré, qu'on avance à pas de charge. Hein. C'est aussi mon tempérament par ailleurs, mais il ne faut pas les perdre. Donc voilà, donc ce qui est important ici, typiquement, ces fonctionnalités-là, c'est que je peux aller sur les sommets et je peux les explorer. Là, typiquement, c'est la pertinence des variables. Ensuite, là, c'est la description des moyennes conditionnelles sur les sommets pour pouvoir les comparer. Donc là, typiquement, si je prends cette première variable-là, il me dit que celle qui différencie le plus donc les individus, c'est la V7. C'est normal parce qu'il apparaît dans l'arbre, mais la V6 aussi, en fait, elle est importante. Elle n'apparaît pas parce qu'elle est masquée par la V7. Et si on n'a pas cet aspect de manière donc d'exploration interactive, on ne voit pas ces informations-là. On passe à côté. Et du coup, bah, on n'a pas une analyse qui est suffisamment avancée. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise. J'ai beaucoup aussi fait beaucoup de choses là-dessus. Hein, je montre très rapidement. Vous avez vu, hein, j'ai fait le traitement, c'est 15 secondes. Je vais refaire le traitement et j'avais programmé à l'époque du multi-trading, qui est de plus en plus d'actualité, hein, avec les machines actuelles. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc je limite à 4 comme l'autre, hein. C'est 4 niveaux maximum. Et là, je peux avoir le nombre de cœurs du processeur, et du coup, je vais l'utiliser réellement. Hein, les machines actuelles sont de plus en plus performantes, et donc il y a beaucoup de cœurs là-dessus. Et c'est très bête de programmer des algorithmes de data mining sans les exploiter. Donc c'est ce que j'ai fait ici, hein. C'est vieux ça, hein, mais c'était pas mal, je me suis bien fait plaisir. Et aujourd'hui, dans les enseignements qu'on fait, justement, il y a un cours où on demande aux étudiants de faire de la programmation parallèle, sous R cette fois-ci. Hein. Mais c'est les mêmes idées. C'est que j'ai des ressources qui sont des PC de plus en plus performants, ou même distribués, avec les systèmes Adobe et tout ça, hein, avec MapReduce. On parlerait tout à l'heure de MapReduce, justement. Et il faut qu'on puisse donc programmer dans ce cadre-là. Et c'est un élément qui est très important. Donc voilà. Donc j'ai divisé par 2 le temps de calcul. Parce que j'ai exploité les différents processeurs. Hein. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce logiciel-là, j'utilise encore. Hein. En fait, la seule raison pour laquelle je n'ai pas mis dans Tanagra les arbres interactifs, c'est que si je l'avais mis, ça aurait tué Cipina. Hein. Et on ne tue pas ses bébés, hein. Enfin, moi en tout cas non. Non. Très bien, donc c'est pour ça que j'ai gardé les arbres interactifs dans Cipina, et dans Tanagra, je n'ai jamais mis les arbres interactifs, hein, pour laisser un petit espace. Hein. C'est pour ça que j'utilise encore. Je ne sais pas s'il est encore utilisé aujourd'hui, ça, à un moment donné il était très utilisé, aujourd'hui je ne sais pas. Très bien. Alors, sur le site, j'ai un Google Analytics, il doit avoir une 20aine de visites par jour à peu près. Je ne sais pas si c'est uniquement des visites ou c'est des chargements. Ceux qui chargent, je ne sais pas s'ils les installent réellement. Hein, sur Tanagra, il y en a un peu plus, il y a une centaine à peu près. Voilà. Là aussi, j'ai des visites. Mais il y a très, voilà. Très bien. Alors, ce qui n'est pas dans Cipina, c'est que déjà, c'est uniquement limité aux apprentissages supervisés, aux techniques supervisées. Hein, donc, il n'y a pas l'aspect l'analyse factorielle, il n'y a pas les aspects clustering. Voilà. Ensuite, quand je fais des clics là, hein, une fois que je ferme le logiciel, il n'y a plus de mémoire de tout ça. Hein, et c'est un problème dans le logiciel. Hein. J'ai fait une analyse, je ferme mon logiciel, très bien. Et demain, je vais continuer mon analyse, bah, je n'ai plus la mémoire de ce que je fais, il faut que je reclique la même chose. Est-ce qu'il faut le noter sur un bout de papier? Non, c'est impossible. Hein. C'est là que les langages de script sont très importants. Hein. Vous faites une analyse, vous tapez votre script, vous fermez votre fichier script, vous fermez le PC, demain vous revenez, vous avez votre script.
C'est là aussi que les logiciels sous forme de chaîne de traitement sont très importants également. Hein. En gros, le script, c'est de la programmation visuelle. Hein. À l'époque, c'était très à la mode, la programmation visuelle. Hein. Alors, l'idée, ouais, je mets des flèches avec des trucs qui se connectent. Hein. Très bien. Et l'autre aspect aussi qui me posait réellement problème, c'est que c'était un logiciel de chercheur. Donc, j'ai codé dans tous les sens, voilà, comme j'en avais envie, au fil de l'eau, voilà. Et à chaque fois que je voulais rajouter quelque chose, ça me prenait beaucoup de temps, rien que pour faire l'interface. Hein. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce que je veux, c'est programmer des méthodes et puis les expliquer après. Et si à chaque fois que je veux rajouter une méthode dans un logiciel, il faut que je crée une fenêtre de sortie, il faut que je programme chaque bouton, ainsi de suite, c'est extrêmement lourd. Et ça, je me suis rendu compte, c'était très limitatif au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Donc, c'est là que j'en suis venu à Tanagra. Le gros intérêt de Tanagra, c'est pour ça que j'en parle un peu ici, c'est que je l'ai réfléchi pour les cours. Voilà. C'est la première fois où réellement j'ai une réflexion en amont, ce que j'avais fait avant. Avant, c'était uniquement une envie, si vous voulez. Hein. J'ai envie de faire ça, allez, je me lance dedans. Là, c'est pas pareil. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui soit réellement utile et que ça soit en phase avec la formation des étudiants, hein, ce que j'ai jamais fait auparavant. Donc, j'ai passé du temps à réfléchir là-dessus. Hein, j'ai passé du temps à réfléchir là-dessus. Voilà. Et je mets un peu le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à l'époque, il y avait une grosse vague. Il y avait une grosse vague sur le data mining. Oui, voilà, il y avait une grosse vague sur le data mining et c'est rentré dans le grand public. Ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était l'affaire des chercheurs en machine learning. Moi, j'ai fait une thèse en machine learning. C'était uniquement l'affaire des chercheurs. Ça ne rentrait pas dans le grand public. Et on a vu arriver, il y a deux ouvrages typiquement que j'aime bien, que j'ai beaucoup lu en tout cas. Celui de Lefebvre et Venturi, hein, c'est un premier des ouvrages grand public sur le data mining, en hein, 98. Et celui de Stéphane Tuffery, 2002. Hein. Voilà. Donc j'avais lu ces ouvrages-là et je me suis rendu compte que le data mining, c'est une réalité des entreprises. Ce n'est pas un truc de chercheurs seulement. Hein. C'est une réalité dans les entreprises. Le livre de Lefebvre, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu, ouais, je l'avais dit. Parce qu'en fait, j'avais raconté une anecdote qui lui est revenue. Quand je l'avais acheté, j'ai beaucoup aimé, j'en parle autour de moi, et il y a un copain, mais en fait, ce n'est pas un copain, voilà, qui me l'a emprunté. Alors, il me l'a emprunté, il ne me l'a jamais rendu. Il ne faut jamais prêter ses livres, hein, comme beaucoup de choses peut-être, hein, je ne sais rien. Et du coup, je l'ai racheté. J'ai racheté deux fois le même livre. C'est la seule fois où je l'ai fait. C'est la seule fois où je l'ai fait, parce que je l'aime réellement. Il est vraiment très très bien fait, je trouve. Bon, 98, c'est un peu ancien maintenant, c'est un peu évolué. Hein. Il y a d'autres livres plus intéressants peut-être aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une vraie évolution. Donc, j'avais lu en détail, je me suis rendu compte qu'il y avait des pratiques qui sont faites en entreprise sur le data mining et qu'il fallait qu'on soit à peu près conforme à ça. Voilà, alors à l'époque, il n'y avait qu'un seul logiciel, réellement, qui tenait la route, c'était Wika. Hein. C'était vraiment le seul. Il y a Orange Machine Learning également, mais c'est un peu plus tard. Là. Mais à l'époque de 2002, c'était que Wika en réalité. Voilà. Donc, j'ai beaucoup étudié Wika et ce qui m'ennuyait réellement dans Wika, il est très performant, hein. Je ne dis pas le contraire, il est vraiment très performant. Et le vrai problème de Wika, c'est que les sorties ne sont pas conformes à la pratique qu'on a. Je prends un exemple typique, je prends la régression logistique. Si on fait la régression, la régression logistique sous Wika, on a uniquement appelé coefficients. On n'a pas la significativité des variables, je n'ai pas les variances des variables, et du coup, je n'ai pas les p-values pour tester s'ils sont intéressants ou pas. Et ça, on ne peut pas passer au côté de ça. Un étudiant en statistique, il voit ça, il ne comprend pas. Hein. Et lui, quand on lui donne une série de coefficients, il faut qu'on ait les variances à côté. Et il fait des tests derrière. Hein, c'est ça la pratique. Et quand il voit les sorties de Wika, ben, il n'a pas ça. Du coup, il se dit, mais comment je fais ma sélection de variables, typiquement, hein. Donc, il y a une série de choses comme ça qui ont fait que je n'étais pas très, très emballé par Wika à l'époque. Et je me suis dit, ça veut dire qu'effectivement, il y a un espace machine learning, mais il ne faut pas qu'on oublie la partie statistique. C'était ça, en fait, l'important dans l'histoire. C'est que sur la partie machine learning, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Et ce qu'il y a dans Wika est excellent, par ailleurs. Mais... ce qui manquait dans Wika, c'est l'aspect statistique. Or, moi, j'étais enseignant dans une formation statistique. Hein, il y a tout un langage que je dois tenir auprès des étudiants qui correspond à une vraie pratique statistique. Hein, et il faut qu'on voit ça dans les logiciels. Donc ça a nourri ma réflexion. Voilà. Et il y avait aussi une expérience, bon, s'il y a longtemps, je peux en parler sans nommer les gens, c'est qu'il y avait deux éditeurs de logiciels à l'époque phare, hein, du data mining, qui sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir, ils ont dit « Ah, vous lancez dans le data mining maintenant ?» Alors j'ai dit « Oui, 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 très bien. » À l'époque, c'était Jean-Luc Chaussel, responsable de la formation. Ils ont discuté avec lui. Ils ont dit « Ah, vous voulez vous investir dans le data mining ?» Oui, oui. Ben, nous, on a des logiciels, vous nous connaissez. Hein. Oui, c'est des grosses entreprises, on les connaît, bien sûr. Voilà, on vous les donne gratos hein, pour former des étudiants. Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien, on ne va pas dire non. Hein. Donc, on les a utilisés pendant un an. Voilà, j'ai commencé à écrire des tutoriels là-dessus. Voilà.
Et au bout d'un an, quand on a l'année suivante, on a dit, bah, il faut renouveler la licence, voilà, ils m'ont dit, bah, maintenant c'est payant. Comment je dirais ça? Bon, je dis poliment, ok, on passe à autre chose. Voilà. Donc tout ça, ça nourrit ma réflexion et je me suis dit, il faut qu'on ait un logiciel libre. Il faut absolument qu'on ait un outil libre, déjà d'une part pour que les étudiants puissent l'utiliser chez eux, voilà, quand on fait des cours et des TD à l'université, mais la vie ne s'arrête pas à la fin du cours, il y a une suite après. Alors on a une salle informatique, ils peuvent travailler dans la salle informatique, mais quand ils sont à domicile chez eux, il faut qu'ils aient le logiciel également. Donc soit on a un partenariat, mais bon, ils ne voulaient absolument pas que le logiciel soit diffusé comme ça, là encore, enfin partout, voilà, et soit il faut qu'on utilise un logiciel. Et donc la solution du libre s'imposait de plus en plus. Voilà, voilà. Alors, j'ai beaucoup travaillé, j'ai mis des petites photos, parce que pour moi, 2002-2003, c'est l'année des grandes résolutions. J'ai perdu 30 kilos au passage, et j'ai fait un doublé. Et j'ai pondu Tanagra aussi. Ah, voilà, voilà, okay. Voilà. Donc par la suite, j'ai expliqué, donc j'avais conçu le logiciel, voilà, et enfin j'ai fait un bébé, enfin j'ai contribué à faire un bébé, bien sûr. Hein. Wow. Comme c'est filmé, j'imagine que quelqu'un d'autre va l'avoir, donc il faut que j'explique les choses. Très bien. Donc j'ai beaucoup réfléchi, voilà, et en 2005, j'ai fait un séminaire pour expliquer pourquoi c'était important. C'est après coup. C'est toujours mieux de reconstruire les évidences. Un d'entre vous m'avait dit ça, et il a tout à fait raison. Donc j'avais fait un séminaire à l'époque pour... J'avais fait au laboratoire Eric, et j'avais retranscrit dans ce séminaire-là donc les éléments de réflexion que j'avais essayé de mettre en ordre pour pouvoir réellement dire que c'est intéressant. Et bon, j'ai mis ici les différents logiciels que j'avais essayés. Hein, et ce qui est important, c'est ce transparency sur l'évaluation des outils. Voilà. Où réellement j'ai essayé de poser ce qui était important pour moi. Ce qui était réellement important pour moi, c'est qu'il faut qu'on soit centré sur les méthodes, bien évidemment, parce que c'est ça notre boulot, voilà, mais il ne faut pas qu'on enferme les étudiants sur des outils qui sont totalement abstraits ou qui n'ont aucun rapport avec, ce que, donc avec la pratique par ailleurs. Ça, c'est un élément clé. Et un élément clé également, qui a beaucoup changé maintenant, c'est que je me suis dit à l'époque que j'ai un temps limité pour faire mon cours. Alors à l'époque, c'était 21h. Maintenant, ça peut baisser parce qu'il y a des restrictions. Bon, hein, voilà. Et quand je fais un cours de 21h, j'ai des méthodes, j'ai une série de méthodes que je veux enseigner à mes étudiants. Et si je dois rajouter en plus dans ce temps-là l'enseignement d'un langage de script ou quelque chose comme ça, ça va me prendre du temps. Hein. Ça empiète sur la partie data mining. Hein. Donc, soit j'ai un cours à part sur la méthode de script, typiquement R ou Python, c'est ce que je fais maintenant. Typiquement à l'université, maintenant, j'ai un cours de R à part, et ensuite j'ai un cours de data mining à part. Hein, c'est vraiment, voilà. Soit j'ai choisi des outils où on n'a pas besoin d'avoir un apprentissage supplémentaire. Hein. Donc, ça c'était en 2002 jusqu'à 2005, c'est cette affection-là qui a changé par la suite, hein, qui a beaucoup changé par la suite, parce que les étudiants ont beaucoup évolué également. Très bien, voilà, c'est ce que je mets ici. Et le dernier point important, c'est à l'époque, Excel était fondamental. En 2002, on formait des étudiants, on appelait ça chargés d'études statistiques, qui existent toujours hein, sur le site de l'APEC. Si vous tapez études ou chargés d'études statistiques, il y a plus d'offres d'emploi qu'en tant que data scientist. On ne peut pas passer à côté de ça. Surtout que les étudiants sont capables de le faire. Hein. Faire l'un, faire l'autre, ils peuvent le faire les deux. Hein. Donc c'est pour ça que c'était très important Excel. Et pour en parler, parce que... voilà, sur le site Cadenugas, il y a une étude qui est faite tous les ans sur les outils qui sont utilisés par les data scientists. Donc là, c'est 2005. Et si on regarde en 2005, rapidement, à l'époque, c'était le règne des logiciels payants. C'était le règne des logiciels payants à l'époque. Hein. Les premiers noms, là, on voit bien. Hein. Je n'ai même pas envie de les montrer, si vous voulez. Voilà. Et parmi ceux, bon, Excel était extrêmement utilisé, et même par les data scientists, ou les data miners, à l'époque on appelait ça. Data miners, data scientists, c'est un peu comme bonnet blanc, comme bonnet. Hein. Voilà. Donc voilà, et parmi les logiciels libres, si on va, on va voir, le premier c'est Weka. Loin après. Très bien. En tout cas, ce qui apparaît, c'est Excel est en bonne place. Après, au moyen de mettre les logiciels payants, mais Excel est en bonne place. Ça, c'est 2005. Je regarde maintenant 2017. Voilà. Bon, il n'y a pas de secret, hein, on n'a pas de secret, on est bien d'accord là-dessus. C'est Python et R qui prédominent, clairement. Hein, c'est pour ça qu'on les enseigne. Hein, c'est pour ça que je les charge méchamment là-dessus, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Après, SQL langage, ce n'est pas un vrai logiciel en soi, mais c'est une compétence qu'il faut avoir, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y a RapidMiner. Le RapidMiner, c'est écrit sur le site.
Si vous allez sur le site, vous verrez à la fin, il y a un commentaire. Ce qui se passe, c'est en fait, non, en gros, RapidMiner, c'est un logiciel libre. En fait, c'était universitaire avant, c'était Yale, ça s'appelait. Donc, c'est une université en Allemagne qui l'avait mis en avant, il l'appelait Yale. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le code de Weka, ils l'ont mis dans une autre interface, qui était assez proche de Tanagra d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait les chaînes de traitement sur le côté à gauche. Ensuite, ils ont évolué par la suite. Ensuite, ils ont créé une entreprise, voilà. Ils ont créé une structure autour de ça. Et maintenant, ils ont une double version. Une version gratuite, si vous voulez, qui est limitée en nombre. C'est-à-dire, chez 10 000 individus, je ne sais pas, il ne faut pas que je dise une bêtise, mais en tout cas, c'est limité en nombre. Et si on veut la version complète, bah, il faut payer une licence. Et ce qui se passe avec RapidMiner, c'est qu'ils sont très actifs auprès de leurs utilisateurs. Donc, tous les ans, au moment du vote Academy Gate, ils vont solliciter les utilisateurs, voilà, en disant, bah, il faut voter pour nous. Moi, j'ai chargé RapidMiner, je l'ai installé, je l'ai testé, j'ai écrit des tutoriels sur RapidMiner, voilà, sur la version libre. Hein, voilà. Et tous les ans, au moment du vote, je reçois un email en me disant, Rico, tu te rappelles qu'il y a le vote Academy Gate, il faut que tu votes, plutôt deux fois qu'il m'envoie l'email. Hein. Voilà, bon, très bien. Et on a Excel, toujours. On est en 2017, ça reste un outil privilégié. Et il n'y a pas de secret. Et quand je vois que SAS a fait un add-in pour Excel, pour faire des traitements statistiques, c'est pas par hasard. J'imagine que c'est pas par hasard. Je vois aussi que SQL Server aussi a un add-in pour Excel. Hein, mais j'ai testé les deux. Hein, donc, Excel reste un outil qui est privilégié. Hein. Mais on ne peut pas s'arrêter à Excel aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était important. On pouvait se contenter d'Excel avec VBA. Aujourd'hui, 2017, c'est plus vrai. On ne peut pas se contenter d'Excel. Hein. Il faut aller plus loin. Aller plus loin, justement, c'est ce que je vais en parler. Très bien. Donc, voilà. J'ai tellement ouvert de choses que je ne me retrouve plus. Voilà. J'en étais là, donc j'avais fait des spécifs, hein, je parle rapidement parce qu'il faut quand même que je parle des pitons dans l'histoire. Voilà, donc j'ai fait des spécifs, tout ça, j'ai étudié les différents logiciels, voilà. Et une fois que j'avais fait ça, je l'ai mis en œuvre avec un cahier des charges cette fois-ci, et je l'ai vraiment utilisé. Alors, il y avait aussi à l'époque un aspect recherche, c'est que je voulais qu'il soit libre, parce que quand on publie des choses, il faut que les gens puissent le vérifier. Donc il faut que le logiciel soit accessible à tous, hein. Quand je fais une expé et que je dis que telle méthode est meilleure qu'une autre, je ne vais pas publier là-dessus et donner ça et croyez-moi sur parole. C'est ce qui se faisait beaucoup avant. Je peux vous dire, le nombre de fois où j'ai lu des publications et j'ai demandé à la personne de m'envoyer le logiciel pour que je lui vérifie, il me dit « Oh, il y a un secret industriel, on ne peut pas le diffuser comme ça. » Je dis « Mais du coup, mais tes experts là, comment je peux savoir qu'il est... c'est vrai ce que tu me dis ?» Il me dit « Ouais, mais moi... Ouais, » Non. Quand on publie quelque chose avec un résultat, il faut que ce soit reproductible. C'est la base même de la recherche. Donc, il faut que le logiciel soit libre. Hein. Typiquement, ce qui est intéressant avec R et les packages R, justement, c'est que tout le monde écrit un package, il s'est intégré dans R, et tout le monde peut vérifier ce qui est dit. Et c'est un élément qui est fondamental en recherche. On ne peut pas passer à côté de ça. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est qu'il faut que le code source soit publié. Parce qu'il faut, qu'on puisse vérifier donc, les implémentations. Je prends un exemple typique, c'est Naive Bayes. En fait, la base de Naive Bayes, une méthode prédictive, hein, très utilisée parce que très simple en text mining typiquement, en fait, sa base, c'est un produit donc, de proba conditionnel. Voilà, c'est un produit de proba conditionnel. Une proba, c'est inférieur à 1. C'est entre 0 et 1. Et quand je fais un produit de valeurs qui sont inférieures entre 0 et 1, quand j'ai plein de variables, au bout d'un moment, j'ai un débordement de capacité. Hein? Donc, ça ne fait pas d'erreur, parce que le logiciel ne dit pas qu'une erreur, mais il fait un calcul faux. Si on n'a pas le code, on ne sait pas s'il a fait soit un produit de proba, soit il est passé en logarithme, et là, il fait une addition. Et là, ça ne plante pas. Hein? Mais ça, on ne le sait pas, que si on voit le code, ça. Donc c'est très important qu'on ait une visibilité sur le code. Donc là également, aujourd'hui, c'est réglé, tout le monde maintenant publie son... Enfin j'imagine, je m'intéresse moins à la recherche aujourd'hui, mais il faut que le code soit publié. Voilà. Alors, j'avais aussi un petit aspect à l'époque, c'est que, en fait, que je ne sois pas le seul à programmer, en fait, il y a d'autres personnages en fait, qui programmaient, donc c'est pour ça aussi que j'avais mis le code, il y a certains qui l'ont fait, mais le problème, c'est que ça faisait jouer le rôle de chef de projet que je ne voulais pas faire. C'est énormément boulot. Hein. Vérifier les implémentations des uns et des autres, ensuite le mettre dans le cadre commun, faire des versions et tout ça. Non, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est enseignant-chercheur. Je donne des cours à l'université, c'est ma priorité numéro un. Donc non, je ne vais pas passer mon temps à vérifier les codes, machin, à maintenir. Et pareil également, je voulais faire un forum au départ. Mais pareil, si je dois aller surveiller sur le forum également, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Généralement, sur les forums, il y a 99,9% des gens qui sont plutôt convenables, puis il y a 0,1% qui est énervé,
et hop, ça fout le boxon partout. Bon, ça, je ne vais pas avoir à gérer ça. Je veux pas, donc, voilà. Donc, pareil, donc, ça aussi, j'ai limité. J'avais mis une version 1 de forum, je l'ai fermé au bout de 3 mois. Parce que bon, ce n'était pas mon métier. Voilà. Donc, j'étais là. Voilà. Tout allait bien. Tout allait bien. Donc, on était contents. On utilisait ça en cours. Voilà. Tout allait bien. Et pourtant, je me suis lancé dans R. Pourquoi je me suis lancé dans R? Parce qu'il manquait un élément clé. Un élément clé, je vais essayer de développer ça rapidement maintenant. Ça passe vite, le temps, c'est dramatique. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Donc, je faisais des cours en master statistique à l'époque, qui s'appelle CIF toujours, hein, voilà. Voilà. Et dans le cours de master, donc, j'avais un cours de programmation. Hein, parce qu'on est tous persuadés qu'il faut qu'un data scientist ou un statisticien, à l'époque on appelait ça, sache programmer. C'est fondamental. Et on a, quand on fait des traitements simples, il veut faire du clic-bouton, mais quand on veut faire des traitements complexes, il faut faire des traitements par lot et des traitements par lot qui soient suffisamment sophistiqués. Et sophistiqués, ça veut dire des, en fait, des structures algorithmiques. C'est ça l'idée derrière. Hein. Et donc, il faut savoir programmer. Donc, mon premier cours de toute ma vie, c'était en 95, c'était un cours Turbo Pascal. Voilà. Donc, je faisais un cours Turbo Pascal à l'époque. Ensuite, on a fait Turbo Pascal sur Windows. Voilà, ça allait encore. Ensuite, on a fait Delphi. C'était peut-être la période la plus sympa parce que c'était relativement simple. Voilà. Et ensuite, on s'est dit, bon, il faut qu'on évolue un peu parce qu'il y a Java là qui est très à la mode. Il faut qu'on regarde ce que c'est. Est-ce qu'on ne peut pas les enseigner aux étudiants? J'ai dit oui, très bien. Donc, j'ai fait du Java. Et à un moment donné, vers 2005, 2004, c'était un renouvellement des maquettes. On nous a dit, il faut faire des économies d'échelle. Ça, c'est pas bon, ça. Pour faire des économies d'échelle, donc on va faire un cours commun entre une formation BI qui existe toujours aujourd'hui, un BI Big Data, et CIS. Il faut faire un cours commun, comme ça on fait un CM commun, un CM 3 heures de programmation d'algorithmie et de classe objet, c'est juste pas possible. Voilà. Et comme ça les CM ça coûte moins cher, et on fait les TD dans chaque formation après, voilà, ça fera une économie d'échelle. Très bien. C'était pas gérable. Les étudiants en statistique ne veulent pas faire un cours de C++. Hein? Ça ne les intéresse pas. Ils sont gentils, hein? Ils sont de bonne volonté, puis il y a une note à la fin, donc il faut quand même qu'ils fassent quelque chose. Mais clairement, ils étaient malheureux. Et ce n'est pas notre vocation de former des étudiants malheureux. Hein? Ce n'était pas possible, ça. Donc, je l'ai fait une année seulement, et au bout de l'année, j'ai dit non. On ne peut pas continuer comme ça, parce que les étudiants ne voient pas l'intérêt de ça. Voilà, ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils ne voient pas l'intérêt de ça. Et même moi, je doute de l'intérêt de la chose. En BIBD, c'était plutôt justifié. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu un cours de C-Sharp avec le .NET. Hein. Voilà. C'était plutôt justifié parce que c'est une formation informatique. Hein. Donc, il y a certains qui font du développement informatique à l'entreprise. Mais les étudiants de statistique, non, ils ne font pas faire du développement d'entreprise du tout. Donc, ils ne veulent pas de ça. Donc, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pourrais leur faire. Et bien, celui qui s'est imposé à l'époque, c'était pas à l'époque, aujourd'hui, tout le monde est air lover, air attiré, air par-ci, mais à l'époque, non, hein, c'était le seul. J'ai dit, il faut qu'on se lance dans air. Et donc, j'ai montré un peu sur CallyDuguette, ça, à l'époque, hein, c'est tout petit, là, je suis désolé, mais vous trouvez, en fait, j'ai mis ça en ligne, j'ai mis sur mon blog mon exposé d'aujourd'hui, voilà, vous le trouverez plus détaillé cette fois-ci, et à l'époque, air est là, hein. Donc, c'était 2006. R est là. Donc on se dit, mais R, à l'époque, l'image qu'on avait de R, c'est que c'est un outil de statisticien, on fait un truc de statisticien, même moi en tant qu'informaticien, j'avais un a priori, qu'est-ce que c'est que ce langage où on ne déclare pas les variables, on ne type pas, ainsi de suite, qu'est-ce que c'est comme VBA, ça ne va pas le faire. J'étais jeune. Voilà. Très bien, donc voilà. J'ai regardé et je me suis rendu compte que je peux construire un cours de programmation là-dessus. Et les étudiants ont une compétence de programmeur. En mixant du coup la double compétence, on utilise R pour faire du traitement statistique. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de packages comme maintenant. Hein. Mais par exemple, si on fait l'analyse factorielle, ben, le seul qui était valable, c'était ADE4, qui était assez compliqué à utiliser. Mais c'était le seul valable à l'époque. Hein. Voilà. Donc, on avait dans un même langage une double compétence. On fait des traitements statistiques par ailleurs, et on fait de la programmation statistique. Donc, j'ai utilisé ce langage-là, en fait, dans cet double aspect-là. C'est-à-dire que dans mon cours, il y avait une partie où je les entraînais à utiliser R à l'époque, en master, en DSS à l'époque. Il y avait, sur les 20 étudiants, il y en avait 5 qui avaient utilisé R dans leur vie. Et donc, ça venait 15 qui n'ont jamais vu R de leur vie. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Le gars qui vient en master, la première chose que je lui demande, t'as fait du R ou pas avant de venir? S'il me dit, ah bon, qu'est-ce que c'est R, machin, je lui dis, non, c'est pas possible, parce que non, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que je reviens à zéro à chaque fois.
C'est possible. Voilà. Donc, il y avait ces doubles aspects-là. Et j'en suis très content. Je suis vraiment très content. C'est un des cours phares. C'est un des cours phares réellement. Et c'est ma page la plus consultée. Hein, sur l'ensemble de mes pages, j'ai une page de cours, voilà. Et cette page-là, c'est la page qui est la plus consultée aujourd'hui. Ça veut dire que ça sert à d'autres personnes. Hein. Tant qu'à faire, hein, si on fait du boulot, tant que ça sert aux gens. Sinon, je vois pas trop la... Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est d'autant plus vrai que arrivée la vague data science ou big data, si vous voulez. Et dans la vague data science, si on regarde un peu, en réalité, on est dans le même cadre à peu près que le data mining. C'est-à-dire que j'ai des données, je prépare les données, j'applique les algorithmes de machine learning ou statistiques exploratoires, ainsi de suite. J'ai des résultats, je valide les résultats et je déploie. C'est ça l'idée. Je fais des rapports et je déploie. Ce qui a changé aujourd'hui, ce qu'il y avait dans data mining à l'époque, c'est que la source d'information, c'était principalement les données de l'entreprise. Donc c'est l'entrepôt de données. Il y a eu une grande vague des entrepôts de données vers 96 par là, et on disait il faut qu'on crée des entrepôts. Tout le monde a voulu faire des entrepôts, et sur les entrepôts, on greffe les méthodes data mining. Ce qui est nouveau aujourd'hui avec la vague data science, c'est qu'on applique toujours les algos sur les données de l'entreprise, mais on va chercher les données en dehors de l'entreprise également. Et c'est ce qu'on voit bien. Je suis allé sur la page Wikipédia de data science en anglais, et effectivement, on a le même processus data mining, j'appelle ça processus data mining, la seule différence en réalité, elle est là. C'est qu'on va chercher les données sur le monde. Très joli, voilà, mais avec les fameuses caractéristiques, variété, volumétrie, vélocité. Voilà. Donc il y a des outils clés qu'il faut qu'ils soient présents dans les logiciels. C'est quoi ces outils clés-là? Ils sont là. C'est que, déjà, il faut qu'on puisse gérer la volumétrie. Donc ça, c'est devenu un élément clé, réellement, mais plus qu'avant. Même. Donc il faut qu'il y ait des solutions pour la volumétrie, donc l'outil en question. Il y a un deuxième élément, c'est l'accès aux données non structurées. Typiquement le text mining, si on fait un logiciel qui n'a pas de fonctionnalité de text mining, laissez tomber tout de suite. C'est un outil académique pour apprendre, c'est exactement le cas de Tanagra, mais il n'y a pas de text mining dans Tanagra typiquement, parce que c'est des compétences supplémentaires. Je ne vais pas me lancer dans la programmation de ça, sinon je ne fais plus rien, je fais que ça. Voilà. Mais clairement, dans un logiciel qui soit utilisé réellement de manière opérationnelle, il faut qu'il y ait des accès sur le texte, il faut des accès sur les images, il faut qu'il y ait des API qui permettent d'accéder à des données en ligne. Donc maintenant, ces trois éléments-là, donc j'avais mis dans le transparent avant, je suis passé un peu avant, un peu vite, sur les fonctionnalités d'un logiciel de data mining à l'époque, et le logiciel donc data mining aujourd'hui, il y a ces trois éléments-là clés, qui sont nouveaux. Et donc c'est un élément d'évaluation d'un outil. S'il n'y a pas ces fonctionnalités sur un outil aujourd'hui, ben, il faut s'inquiéter. Parce que ça veut dire qu'il y a tout un pan du data science, de la data science que vous allez, sur lequel vous allez passer à côté. Donc c'est un élément clé. Et... fort heureusement, dans R, on est pas mal placé quand même par rapport à ça. Il y a un autre aussi qui est venu se pointer derrière. Alors, qu'est-ce que je vois, moi? Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a plein de choses qui font que R, aujourd'hui, est indispensable. Le premier élément clé, c'est qu'il est utilisé en entreprise aujourd'hui. Ça valide les choix qu'on a fait. On forme des étudiants sur des outils qui étaient plutôt académiques au départ. Ces outils académiques-là sont rentrés dans les entreprises. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, un, on a le fond de l'affaire, donc l'aspect pédagogique, mais en plus, on rend des étudiants qui sont vraiment opérationnels et qui peuvent le mettre en valeur dans leur CV, qui peuvent le mettre en valeur dans leur travail au quotidien d'entreprise. Donc là, c'est le critère clé. C'est vraiment le critère clé aujourd'hui. C'est-à-dire que R est un outil libre à la base, universitaire. En fait, il y a un article sur New York Times qui explique l'origine de R avec Rossiaca et Gentleman. Ils expliquent le cheminement et tout ça. Donc très bien, c'est travail universitaire. J'aurais pu faire la même chose. Voilà. Mais appeler l'élément clé, c'est que cet outil-là, maintenant, est rentré dans les entreprises. Et ça, vraiment, c'est un élément clé. Alors, il y a d'autres aspects également qui sont importants, mais évidemment, c'est... il y a plein de librairies maintenant. On peut pas... quasiment, dès qu'il y a une nouvelle méthode, il y a une librairie qui sont plus ou moins bien programmées. C'est à nous de le vérifier. Alors moi, il y a une double vérification quand il y a un nouveau package. Alors déjà, je regarde s'il est publié dans le R journal, dans le journal de R. S'il est publié là-dedans, ça veut dire qu'il a été donc évalué par un chercheur, par un collègue. Donc ça veut dire que c'est valable. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde. Ensuite, s'il a été évalué, très bien. S'il n'est pas évalué, très bien également. Je vérifie moi-même. Donc c'est pour ça que je passe un temps monumental à décortiquer les logiciels. Je passe mon temps quasiment qu'à ça. Je passe mon temps à lire, à vérifier, à tester, lire, vérifier, tester. Et quand je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, je fais un tutoriel derrière. C'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est mon maximum de temps. C'est vraiment ça. Très bien. Et il y a des choses nouvelles comme la programmation Big Data. Le fait que maintenant il y ait des fonctionnalités MapReduce ou R,
C'est un élément qui est quand même pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai introduit ces dernières années dans mon cours de programmation R. Je fais un cours de programmation R, j'ai dû un peu taxer mon cours pour ajouter une séance 7 sur laquelle je fais la programmation en MapReduce. Hein, parce que c'est une compétence clé, c'est la programmation parallèle. Parce que maintenant, on a des systèmes distribués avec les clusters, ainsi de suite. Il faut que les calculs soient déportés pour qu'on ait plus de puissance. Là, j'enfonce des portes. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est que R est assez versatile. Il permet de faire beaucoup de choses. Et surtout, il est utilisé en entreprise. Ah. Alors, je fais une petite démo, mais très rapidement, vraiment très rapidement. Ça, c'est un de mes cours clés. En fait, je ne connais pas votre niveau de culture sur la data science et sur les méthodes. Donc, du coup, je vais un peu vite. Si je vais trop vite, il faut me dire, ainsi de suite. Voilà, voilà. Sachant qu'il est déjà 8h01, j'ai pour objectif de m'arrêter à 8h30. Ça va, 8h30 ? Ouais, très bien, très bien. En tout cas, moi, je suis sûr de rester jusqu'à 8h30, du coup. C'est vrai. Très bien. Donc, ça, c'est l'apprentissage supervisé, analyse prédictive ultra classique. J'ai une base de données avec une variable cible. Voilà, je la scinde en deux. Voilà, une pour créer le modèle, l'autre pour tester. Sur la partie création de modèle, je crée le modèle prédictif. Ensuite, je l'applique sur l'échantillon test et je confronte les deux entre ce que la prédiction du modèle est observée pour avoir une matrice de confusion. Alors, je montre ça sous R. On peut le faire avec d'autres outils, hein, voilà, mais je montre ça sous R. Et vous allez voir que le code, il est super simple. Donc là, j'ai pris la fidélité de nouveau comme exemple. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, si vous avez eu la chaîne, vous avez eu la chaîne entière. Là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je charge les données. Hein. Ensuite, j'ai la variable cible. Donc là pour le coup, donc, je l'ai binarisé. Hein. S'il n'y a pas d'affaire, c'est on ne trompe pas. Et s'il y a une affaire ou plus, on trompe. Hein. Donc du coup, je l'ai binarisé. Donc c'est une variable cible binaire, c'est facile. Donc je l'ai chargé. Ensuite, je l'ai scindé en deux, voilà, exactement mon schéma de tout à l'heure. Hein. Voilà, ici, en faisant un échantillonnage au hasard, avec, j'ai pris 401 pour l'apprentissage et 200 pour le test. Ensuite, je crée l'arbre de décision et je l'affiche. Donc, allons-y, je vais traiter. Donc, c'est là que la pression arrive, mais normalement, ça devrait marcher. Normalement, ça devrait marcher. Alors, j'ai répété avant de venir, donc il n'y a pas de souci. Hop là, quand on l'entrée, voilà, il charge les données. Voilà. Ensuite, il va créer l'arbre de décision. Voilà, voilà. Et ensuite, je l'affiche ici. Tac, tac. Et ben voilà. Oh, très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Là, typiquement, apparemment, celle. Donc, ici, la première variable du screen. Alors, si je lis là, très rapidement. Hein, donc, là, 100%, c'est-à-dire que j'ai 100% de la base. Alors, j'ai toute la base entière. Donc, j'ai toute la base d'apprentissage. Hein. Ensuite, le 0,23, c'est le pourcentage de la deuxième classe. Hein, donc ici, no, donc c'est par ordre alphabétique dans R. Hein. No, c'est la première classe, yes, c'est la deuxième classe. Et donc le 23%, 0,23, c'est la proportion des yes. Et du coup, la classe majoritaire dans le sommet, c'est no. Voilà comment il faut le dire, hein, très rapidement. Donc la première variable qui joue apparemment, c'est être heureux en mariage ou pas. Ce qui n'est pas étonnant non plus, hein, on s'imagine très bien. Si on a un mariage latine, donc supérieur à 2,5, c'est entre 1 et 5, je crois, dans la base, oui, on est heureux en mariage, ben, on trompe de moins en moins. Hein. Là, c'est 19% des personnes qui trompent. Hein. Du coup, la classe majoritaire, c'est non. Si on n'est pas heureux en mariage, la deuxième variable, c'est l'âge. Hein, voilà. Donc là, si on lit bien, en réalité, j'ai essayé de voir ce qu'il y a derrière. Si on n'est pas heureux en mariage et qu'on est jeune, et que on n'est pas très on est plutôt religieux parce que les no ils parlent là et qu'on a une occupation là, c'est en fait une échelle de 1 à 7 sur est-ce qu'on a un boulot bien ou pas et qu'on a un bon boulot, hein, typiquement les jeunes cadres dynamiques, quoi, bah c'est des gens qui trompent leur conjoint. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein, moi j'en sais rien, hein. Je suis pas jeune et je suis pas cadre dynamique non plus, hein. Ensuite, je fais la prédiction, comme le schéma ici, hein, vous avez vu, hein, voilà, donc j'en suis là, là, hein. J'en suis là. Donc j'ai scindé la base, voilà, j'ai l'arbre de décision, j'ai fait la prédiction sur le deuxième échantillon, et maintenant je vais la confronter pour voir si je prédis bien ou pas. Et je peux lire les caractéristiques de mon modèle ici. Voilà, donc j'ai la matrice de confusion rapidement, hein, voilà, qui est là. Et voilà. Donc là, il faut une petite expertise, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les prédictions des gens qui trompent leur mariage, il y en a très peu, hein, en réalité. Donc ça veut dire qu'il y en a plein de gens qui trompent qu'on n'arrive pas à détecter. C'est la sensibilité, on appelle ça. C'est 3 sur 58 ici, hein, 3 sur la somme de la ligne. Et quand je prédis que c'est quelqu'un qui trompe, je le fais à coup sûr. Hein. Quand je prédis qu'il trompe, c'est toujours quelqu'un qui trompe. Sauf que c'est 100%, mais sur 3 individus. Donc bon, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est ce que me dit la sortie. Donc voilà.
ce qui est très important, c'est regarder le code. On n'a pas besoin d'avoir une formation mirifique pour pouvoir apprendre ce code-là. On est absolument d'accord. Hein. En fait, ce qui se passait beaucoup à l'époque, c'est que les étudiants avaient peur de la partie codage, parce que pour eux, ils se disent « Ouh là là, les commandes, on ne les connaît pas ». Mais si on s'intéresse un peu, si on a des bons tutoriels, il n'y a pas de souci, on peut rentrer du code sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de vraie connaissance dure là-dessus. En fait, la vraie connaissance dure, elle est sur la programmation. Là, effectivement, il y a des notions supplémentaires, qui est l'algorithmique, typiquement, et puis donc la structuration du programme. Ça, effectivement, c'est une connaissance qu'il faut acquérir. Mais sur le fait de pondre une série de codes et pour le lancer derrière, franchement, je ne vois pas où est la difficulté. Je ne vois pas où est la difficulté. Et justement, aujourd'hui, l'enjeu que je fais, c'est que donc, j'ai mon cours d'économétrie, là, que je fais, ça s'appelle plus économétrie, parce que les étudiants n'aiment pas entendre ça, ça s'appelle modèle linéaire, mais en fait, c'est un cours d'économétrie. Voilà, et dans mon cours d'économétrie, typiquement, dans mes TP, j'en ai 6 TP avec eux, donc 6 fois 1h45, je fais 3 sous R, parce que la plupart, ils vont faire des stages, une partie stack, ils vont faire 3 sous Excel, parce qu'ils vont faire sous Excel leur stage, clairement. Ensuite, j'ai fait 1 sous R, voilà, parce qu'en réalité, quand on voit ça, ils peuvent rentrer du code. Tout simplement, quand je fais ma fiche de TD, je mets bien les bons repères. Voilà. Et du coup, ils ont les tutoriels à côté. Et donc, en 1h45, ils peuvent développer une vraie compétence R. Ils peuvent développer une compétence R, et je ne vois pas où est la difficulté ici, quand on a des codes comme ça. Ça, c'est l'élément clé. Et ensuite, le 5e TD, je fais sous Python, pareil. Je vais montrer tout à l'heure que je peux faire exactement la même analyse sous Python et c'est du même code. Donc, il n'y a aucune difficulté. La seule difficulté, c'est la syntaxe. Et la syntaxe, c'est qu'on va apprendre une langue nouvelle. Il faut apprendre la syntaxe tout simplement. Et une fois qu'on a la syntaxe, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, après, le TP numéro 6, c'est l'évaluation. Et ils ont le choix de l'outil. Et tous les ans, ils sont à peu près la moitié font le choix d'Excel. Ensuite, il y a un quart qui font le choix de R et un quart qui fait le choix de Python. Voilà. Donc, ça veut dire que, en tout cas, ils peuvent le faire. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. La deuxième démonstration que j'aimerais montrer, c'est la même chose, mais en text mining. Hein? Donc là également, on se dit, oh là là, text mining, c'est compliqué ça. Mais non, 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 allez. Donc là, j'ai pris un exemple très simple, c'est la prédiction des nouvelles de Reuters. Hein? Voilà. Donc on est toujours dans l'apprentissage supervisé, j'ai une variable cible ici, donc c'est l'étiquette de la nouvelle. Est-ce que ça parle de la sécu ou crude? Voilà, c'était la distinction. C'est très à la mode à un moment donné, cette base-là, dans fin des années 90. Dans Cipina, il y a un module de text mining, mais qui a été masqué après, parce qu'il plantait souvent, et quand R est arrivé, ça a tout balayé, c'est impossible qu'on fasse aussi bien que R à l'époque, donc on l'a laissé tomber. Voilà. Et ça, c'est les variables prédictives, sauf qu'il n'est pas sous forme d'un tableau individu variable. Hein. Donc tout l'enjeu du text mining, c'est tout simplement, je prends du texte, je vais construire un dictionnaire à partir du document en faisant de la tokenisation, c'est-à-dire je prends chaque mot devient une variable, et ensuite je vais compter donc l'occurrence du mot dans chaque document. C'est ce qu'on appelle la pondération. C'est les choses de la pondération. Et voilà. Donc, finalement, on est dans le cadre de l'apprentissage supervisé. La catégorisation de texte, c'est dans le même cadre que l'apprentissage supervisé. La seule difficulté supplémentaire, c'est la tokenisation pour créer le dictionnaire et créer le tableau de données. Mais une fois que ça s'est fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il y a des techniques supplémentaires. C'est pour ça que j'ai un cours de text mining à l'université, parce qu'il y a des techniques de réduction de dimensions, comme le topic modeling, comme la LSI, donc c'est l'attente sémantique. Enfin, indexing, ainsi de suite. Voilà. Mais fondamentalement, on est dans les mêmes schémas, toujours. Hein. Il faut qu'on génère un tableau de données. Une fois qu'on a un tableau de données, on peut faire les traitements. Alors, ça se passe comment, ça, sous R, justement? Allons-y. Il est là. Très bien. Donc là, j'ai pris la base Reuters. Regardez. Alors là, j'ai pris tout le monde pour faire les traitements directement. J'ai pris toute la base. J'ai passé un D en deux pour simplifier. Donc là, je plug sur la base Reuters. Alors, je montre un peu la base Reuters, un fichier XML. Alors. Rapidement, tac, hop, voilà. C'est ça la base Reuters. Alors, démo, R, text mining, la base Reuters, c'est ça. Tac. Et voilà. Donc, vous avez vu, c'est un document XML très simple où j'ai une structure XML avec chaque document, en fait, et il y a deux éléments dans chaque document. Il y a le thème, donc l'index, si vous voulez, le sujet, et ensuite, j'ai le corps brut, hein, c'est le texte brut. Et donc, je vais faire une prédiction du texte brut vers l'étiquette. Donc, qu'est-ce qui se passe dans R du coup? Ce qui se passe dans R du coup, c'est que... Oh non, j'ai lancé. Non, j'aurais pas dû. Donc, c'est pas ça, c'est que j'ai déjà ouvert. Je le trouve plus. Il est là. Voilà. Donc, si on regarde bien le code R, qu'est-ce qui se passe là? Donc, du coup, je lis le fichier.
Ensuite, je vais le parser, tout simplement, hein, pour scinder donc l'étiquette, le sujet, et je mets le document dans une autre structure, une sorte de vecteur. Voilà, c'est un vecteur. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de faire donc de la tokenisation. C'est-à-dire que je vais prendre chaque mot, et chaque mot, je considère que c'est une variable. C'est ce qui se passe ici en bas. Donc là, je prends la librairie TM. Donc les choix des librairies est très important en réalité. C'est un élément qui permet de choisir entre R et Python, moi je pense. C'est que vous êtes confronté à un problème quelconque, voilà, donc vous devez le résoudre, et vous allez essayer de voir dans quel langage il y a le meilleur, en fait, la librairie ou en fait le package. Et c'est par rapport à ça qu'on peut fonctionner. C'est un élément de choix, ça, en technologie, entre ces deux outils-là. Sinon, en termes de fonctionnalité, en termes de résultats et de rendus, non, ils sont quasiment équivalents. Très bien, donc c'est ce que je montre ici, voilà, et je vais afficher la matrice. Donc, je vais lancer ça rapidement. Tac, là, je sélectionne, tac, voilà, contrôle entrée, donc ça fait tous les traitements, je charge les données, voilà, et donc ça me génère la matrice, là. Hop là. Donc ça, c'est le début de la matrice. C'est le début de la matrice, où, tout simplement, donc ici, donc, les documents, il y en a 117 en tout, j'ai pris la première et la deuxième, et j'ai affiché donc les premières variables qui étaient affichées, en fait, donc les premiers tokens, les premiers mots qu'il a pris, et là, c'est les occurrences. Donc, dans le document numéro 1, il y a le agreed qui apparaît une fois. Ensuite, le agreed end, ça apparaît une fois, le all apparaît une fois, also apparaît une fois, bar apparaît 5 fois, ainsi de suite. Si on regarde ça, c'est bien, mais il y a un souci. C'est qu'il y a des mots, en fait, il y a des termes qui n'amènent pas de sens. Par exemple, c'est le cas de and. And, c'est comme et en français, ça n'amène pas de sens en lui-même. Donc, il faut qu'on fasse une simplification là-dessus. C'est exactement ce qui se passe ici. On enlève les nombres, ensuite on enlève les ponctuations, on met tout en minuscules, et on enlève ce qu'on appelle les stop words. C'est ce qui se passe ici. Et voilà. Et l'idée, en fait, c'est que je vais créer un tableau qui est de plus en plus compact. Tout ça, on peut le faire très facilement dans R. C'est pour ça que je montre ça ici. On peut le faire très facilement dans R. Et à la fin, donc je vais tout lancer d'un coup, parce que, voilà, tac. À la fin, j'ai un arbre de décision. On a le word cloud. Ça, c'est très à la mode également. Je montre très rapidement ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les mots qui sont donc les plus fréquents dans les documents en question. Voilà, c'est très à la mode. Ça fait très joli, ça fait très data science, je trouve. On met un word cloud avec des jolies couleurs, tout de suite, il dit « Oh, c'est data science parce qu'il y a des word cloud. » si les gens aiment ça, je ne vais pas... On va pas aller... Voilà. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'à la fin, j'ai bien un arbre de décision, donc j'ai bien un modèle prédictif qui est basé sur l'occurrence des mots dans les documents. C'est ça l'intérêt. Donc du coup, si j'ai un nouveau document à classer, ben, je regarde les mots qui apparaissent et je classe par rapport à ça. Alors, dernier exemple ici, c'est la programmation MapReduce. Ça, c'est un cours qui est apparu il y a 2 ans, 3 ans, même pas, voilà. C'est que, très facilement sous R, du coup, je peux mettre en œuvre donc, le principe MapReduce. C'est-à-dire que j'ai un problème à gérer, voilà, j'ai un traitement à faire, j'ai un système de clusters, il faut que je déporte les calculs sur les clusters, ainsi de suite. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je programme le fameux map, il faut que je programme donc le fameux reduce, et sous R, c'est super simple. En fait, le vrai enjeu, il est où? En fait, il est dans la création des index. Là, il faut réfléchir un peu. J'ai un traitement à faire, comment je vais le découper? Et ce découpage-là, je le matérialise en fait par la création d'un index. Je prends un exemple ici pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, regardez, tac, 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 je vais sélectionner ça. Et ensuite, je vais détailler la chose. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que j'ai un vecteur de valeur. Voilà. Donc c'est un vecteur de valeur quelconque que j'ai généré ici de manière aléatoire. Voilà. Voilà. J'ai un vecteur de valeur et je vais faire donc la somme du vecteur de valeur. Sauf que, bon, c'est très simple a priori, sauf que je veux la chose suivante, c'est que je vais les découper en 5 parties, comme ça, donc la partie numéro 1 sera calculée sur une machine à part, ensuite la partie numéro 2, ainsi de suite. Pour faire ce découpage-là, le principe MapReduce dit la chose suivante, créer un index. Et l'index, il va servir à définir qui est, en fait, qui va avec qui. Voilà ce qui se passe. Donc c'est ce qui se passe là, donc je vais lancer le traitement, là, ça plantait un peu chez moi, j'espère que ça va marcher. Eh bien, ça marche, très bien, très bien. Hop là. Regardez. Donc, tac, tac, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai les vecteurs de valeur et j'ai généré. Donc ça, c'est les vecteurs de valeur qui me sont donnés. Et là, j'ai généré donc l'index. Hop, le deuxième, il va aller dans le compte numéro 3, numéro 4, ainsi de suite.
Donc là, typiquement, ici, la valeur qui est en fait, avec celle-ci va avec celle-ci, ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, du coup, ça, c'est la partie map qui dispatche les calculs. Sur la partie reduce, voilà, sur la clé numéro 2, j'ai l'ensemble des valeurs et je vais les sommer. Voilà, c'est le rôle de la partie reduce. Et une fois que j'ai ça, à la sortie ici, paf, je peux faire donc la consolidation. J'ai les clés et j'ai les sommes par bloc de valeurs. Alors ça, oui, ça se fait beaucoup. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je peux le faire sous R. Cette compétence-là, je peux les faire acquérir aux étudiants sous R. Donc là, typiquement, R est un vrai langage de programmation Big Data, pour le coup. Parce que je peux mettre en œuvre les principes Big Data. Et ça, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Quand on avait fait le choix de R, on n'avait pas vu tout ça. Mais grâce au dynamisme de R et de la communauté qui fait avancer R, on a des fonctionnalités qui sont réellement très, très intéressantes. Voilà. Alors, je m'arrête là-dessus pour R. Voilà. Pourquoi on s'est lancé dans Python, on se demande, puisque R va bien. On se demande, non mais c'est vrai ça. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Parce que, donc on avait travaillé sur R, tout allait bien. Voilà, moi j'ai mis du temps à trouver la bonne axe pour les étudiants. Il faut que ça marche bien et tout ça. Il ne faut pas que je les perde. Il ne faut pas non plus que ce soit ennuyeux. C'est difficile de trouver le milieu, mais bon, on essaye. Et donc tout allait bien. Et pourquoi on s'est lancé dans Python? Ça, c'est une vraie question clé, parce qu'en réalité, on pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer, mais non. C'était super important qu'on se lance dans Python. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. Donc, on a une série de formations qui sont sur 3 années. Il y a une licence, donc informatique data science. Voilà. Ensuite, il y a un master 1 informatique, et on a les master 2, donc différents master 2. Et donc, en licence, j'ai un cours de programmation. J'ai un cours de programmation en licence, qui est marié avec un cours d'algorithmie. Donc on est deux collègues à le faire. Elle fait la partie donc algorithmie et moi j'arrive en appui sur la partie programmation. Jusque là tout va bien. Et donc on a fait le choix de travailler sous Delphi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 20 ans Delphi était en master 2 et on l'a fait descendre en master 1 et on était descendu jusqu'en licence. Donc il y a une vraie progression des compétences des étudiants. Ça, on n'en parle pas jamais, on ne parle pas toujours, mais en réalité, en termes de, par exemple, donc mon cours de data mining, je le fais en master 2, maintenant je le fais en master 1. Donc il y a une vraie progression des compétences des étudiants. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, on en était là, donc ça marchait très bien, sauf qu'au bout d'un moment, ce qui est bien l'informatique, c'est qu'on ne peut pas s'endormir. Il faut qu'on soit tout le temps, il faut qu'on surveille ce qui se passe, parce que ça évolue beaucoup l'informatique. Et donc, on s'est posé la question, à un moment donné, est-ce que c'est toujours pertinent de travailler sous Delphi? Tout simplement parce que si on va sur le site de l'APEC, voilà, si on fait une recherche sur le mot-clé Delphi, bon, il y a quand même des offres d'emploi, on est d'accord. Mais bon, clairement, je ne sais même pas si Delphi tout le monde connaît ici. Je ne suis même pas sûr. C'est un langage de programmation qui était très en vogue il y a 15 ans, mais justement il y a 15 ans. Voilà. Donc, c'est très intéressant du point de vue pédagogique comme outil, parce que c'est très lié à l'algorithmie, mais clairement, personne n'utilise ça maintenant. Enfin, très peu, le 71. Donc, c'est un élément clé. On ne peut pas rester là-dessus. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est quel outil on peut amener pour la programmation pour que quand l'étudiant il le mette dans son CV, il est content de le mettre. Donc, on a réfléchi. Et moi, ce qui m'a beaucoup... c'était en quelle année, ça? C'était 2014, voilà. Il y a un élément, c'est que moi, je passe mon temps sur le site des Cadets Nugget, voilà. Ah non, il y a un article que j'ai vu, c'était celui-là, dans le monde informatique. Voilà, voilà. Donc, je lis beaucoup le monde informatique et le monde campus, il y a le monde numérique également, je lis quasiment là, pour le coup, je lis vraiment tous les matins. Et quand j'ai vu cet article-là, juillet 2014, je me suis dit... Il y a quand même un truc intéressant là, parce qu'il y avait un autre élément clé, c'est que sur le site des Cadets Nugget, on voyait quasiment Python arriver de plus en plus vers les logiciels populaires. Tous les ans, donc, il y avait un compte-rendu des logiciels les plus populaires votés par les data scientists, et Python, qui était loin au départ, qui n'existait même pas en 2006, on ne le voyait pas. On le voyait arriver, monter. Voilà. J'avais un peu regardé. Et pour moi, je me suis dit, mais Python et R, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'enseigner Python parce qu'on peut faire la même chose avec R. C'était ça mon idée de départ. Donc j'avais vu ça en amont, j'avais testé un peu, j'avais regardé. Dans Orange, on peut programmer en Python. Alors, en Python 2.7, ça évolue maintenant. Mais on peut soit faire un diagramme de traitement, soit le code, on peut le programmer en Python. Donc il y a une librairie, donc Machine Learning Orange, qui permet d'appliquer. Donc c'est Orange Machine Learning. Voilà, qui permet de le faire sous Python.
Donc j'avais regardé ça, pour moi c'était réglé, c'est un truc qui amène rien de plus par rapport à R. Mais quand je lis des gens plutôt intelligents qui disent ce genre de choses, bah, il faut réfléchir un peu plus. Hein, il faut vraiment réfléchir un peu plus. Et donc j'ai regardé en détail. J'ai regardé en détail et... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là. Il est où? Il est là. J'ai regardé en détail et il y a des choses qui ne mentent pas. Ça sur le site de l'APEC, voilà. Bah, ça, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça parce qu'on forme des étudiants qui vont en entreprise. Hein. Ça, c'est la règle d'or. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Des fois, on oublie un peu à l'université. Mais non, 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 il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, il faut qu'on... En fait, il y a des éléments clés. Il y a un aspect, donc c'est la pédagogie. Hein. On essaie de les faire apprendre des principes pour qu'ils puissent les appliquer. Hein. Donc ça, c'est super important. Mais il n'en reste pas moins que, surtout nous, on est dans un domaine très dynamique, il faut qu'on surveille tout le temps le marché de l'emploi. Et on a une chance extraordinaire, je considère que c'est une chance, c'est qu'on encadre des stagiaires tous les ans. J'en encadre une vingtaine tous les ans. Ça veut dire que tous les ans, en face de moi, j'ai 20 personnes qui viennent des entreprises et qui me racontent un peu leurs préoccupations, ce qu'ils veulent, et ainsi de suite, et les compétences qu'ils attendent de nos étudiants. C'est super important, ça. Hein. Quand il vient, il dit, vos étudiants ont fait ça, 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 voilà. Ça, ce serait bien. Ça aussi, vous n'avez peut-être pas vu. Ça, c'est super important. Donc, moi, je note. Je prends des notes. Hein. Je ne vois pas, mais je prends des notes. Voilà. Et je regarde qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là, typiquement, le fait que Python apparaisse dans les offres d'emploi de plus en plus maintenant, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai introduit en licence. Donc, j'ai... Voilà, voilà. Donc, j'ai introduit en licence, j'ai mes étudiants qui ont eu Python la première année avec moi. C'était des TD de 3 heures, c'était... Oh là 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 là, j'ai réduit les heures maintenant, c'est 1h45. C'était dur, mais bon, quand même, il y avait une vraie avancée. Donc, ça marche très bien maintenant, c'est un cours que je fais maintenant tout le temps en licence, hein, qui marche très bien, je suis très content de notre mode de fonctionnement, et les étudiants aussi sont très contents. Donc, tout va bien. Donc, tout allait bien. Sauf que les étudiants du Master 6 à l'époque m'ont dit, vous faites un cours de Python, hein. Vous faites un cours de Python, monsieur, en licence. J'ai dit, ouais. J'ai dit, mais vous pouvez pas nous faire une petite formation, là, parce que tout le monde en parle de Python, là, c'est très à la mode, là, c'est 2015. Ils me disent, on aimerait bien et tout ça. Bon. Quand les étudiants demandent des choses, généralement, j'essaie de répondre à la demande. Donc je leur ai dit, ok, je peux faire une formation gratos, voilà, on regarde dans l'emploi du temps quel moment c'est libre, et le seul libre qui était, c'était le vendredi avant les vacances, de Noël. Donc j'ai dit, bah voilà, je viens pour vous, bah l'œil, hein, là pour le coup c'est sur mon temps libre, voilà, je fais la formation de 6 heures, et vous me dites ce que vous en pensez. Hein, parce que, voilà, c'est-à-dire que c'est des gens, ils n'ont jamais vu Python de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que Python, hein, voilà. Ils ont entendu parler de Python, et je vais leur faire une formation en 6 heures. Hein. Tout le monde est venu. Ah, pas d'absence. Généralement, il y a quelques absences. Là, il n'y avait pas d'absence du tout. On a fait la formation. Très bien, je leur ai fait. Le soir, je leur ai dit, comment vous voyez ça comment? Alors, ils ont dit, oh, c'est très bien, nickel et tout. C'est un truc pas mal, ça. Je leur ai dit, bah, vous allez faire un projet maintenant. Ça rigolait, moi. Mais bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vais montrer tout à l'heure, c'est sur la reconnaissance faciale. Ça veut dire que, en réalité, le gap entre Python et R, il n'est pas énorme. Parce que sous R, on les a surformés sous R. Voilà. Python, ils ne l'ont jamais vu. Je leur ai fait une formation de 6 heures, pas beaucoup 6 heures, hein. Je leur ai fait une formation de 6 heures sur Python, je les mets sur un projet qui n'est pas non plus le plus facile qui soit, ils sont capables de le faire. Ça veut dire que le gap est donc pédagogique entre ces deux langages-là, en réalité, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme du tout, la vraie différence, c'est la syntaxe. Ouais. Mais sinon, non, absolument pas. Ouais, voilà, et donc, du coup, quand j'ai vu ça, voilà, ben, je me suis dit, je vais l'introduire dans la maquette. Donc maintenant, elle est dans la maquette, donc les étudiants, ils sont en charge lourde, hein, je peux vous dire. Je parlais de gavage tout à l'heure, on n'est pas loin de ça quand même. Hein. C'est soit R, soit Python, ainsi de suite, et on met vraiment les tartines. Donc maintenant, elle a été créée à la maquette. Il y a peu d'heures dessus parce qu'on est obligé de faire des choix. C'est ça, malheureusement, les heures sont limitées à l'université, on est obligé de faire des choix. Il n'y a que 12 heures là-dessus, mais avec les 12 heures qui sont, ils sont capables de faire des projets intéressants, hein, des projets donc valorisants. Hein, voilà. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est que maintenant, mes TD que je faisais que sous R avant, maintenant, j'en fais une partie sous Python. Hein. Donc, avant la séance, j'ai dit aujourd'hui, on travaille sous R, ou bien on travaille sous Python. Et voilà. Et ça permet d'alterner les deux, et ils ont la double compétence. Avec un coût pédagogique qui est minime. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Hein. C'est que le coût pédagogique, il est minime. Et ils peuvent rajouter dans leur CV la ligne Python, avec des vraies compétences derrière. Voilà. Alors, petite démo sous Python cette fois-ci. Voilà. Alors. Je montre, donc j'avais ouvert un peu ce spider, hein. Là, c'est la détection de spam, c'est toujours l'apprentissage supervisé. Hein. Donc l'idée,
c'est qu'on a une série de documents, en fait, et on veut savoir si c'est un spam ou pas spam, c'est la variable cible. Et les descripteurs, en réalité, c'est les termes qui apparaissent, c'est le text mining, ou bien est-ce que tout est écrit en majuscule, est-ce qu'il y a des points d'exclamation, ainsi de suite. Voilà. Donc, je montre ici le code. Ah, je suis désolé, hein, je traîne un peu, si le monsieur s'enfuit, mon Dieu. Très bien. Je montre un peu le code, voilà. Ici, donc relativement rapidement, et voilà, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune difficulté. C'est que de la syntaxe. Hein. Là, je charge donc les données d'apprentissage, je charge les données test, ensuite, je prépare les données, je crée un arbre de décision, voilà, je crée l'arbre de décision, j'ai l'apprentissage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est pour... Je fais la prédiction sur l'échantillon test, et ensuite, je calcule la matrice de confusion et puis les différents indicateurs. Entre le code qui est là et le code SWEAR, il n'y a aucune différence fondamentale. La seule différence, c'est la syntaxe. Et la syntaxe, ce n'est pas un problème en programmation. Je sais ce que je dis par ailleurs. Moi, j'ai fait des cours quasiment tous les langages depuis que j'enseigne. J'ai même fait des cours de VBA. Il faut bien que je mange, donc je fais des cours de VBA aussi, mais c'est très bien aussi. Hein. Donc, j'ai fait tous les langages et j'ai aucune difficulté. La seule difficulté, c'est pour ça que je révise avant chaque cours, c'est la syntaxe. Je révise au moins un quart d'heure, 20 minutes sur la syntaxe, mais le fond, la programmation, ce n'est plus un problème. Ce n'est absolument pas un problème. Et du coup, je peux arriver en cours et j'arrive à faire un cours qui tient là. C'est ça qui est important. Et là, typiquement, c'est ça. C'est la vraie différence, c'est la syntaxe. Alors, il y a une autre différence également qui est importante, c'est qu'on n'a pas les mêmes packages. Et on n'a pas la même performance de package. Et là, typiquement, c'est à nous de vérifier. C'est à nous de vérifier ça. Moi, typiquement, là, je vais montrer. Là, très rapidement, là, c'est la détection de communauté. C'est la détection de communauté dans les réseaux sociaux. Je vais montrer rapidement ici, voilà, qui est là. Voilà. Ça, on va le faire ensemble. Parce que je vais partir de mes yeux. On va le faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai une communauté avec des relations entre les personnes. Donc, on a un ensemble de personnes. Il y a certains qui sont donc plus connectés avec les autres ou pas. Et donc, c'est un graphe en réalité, si on regarde bien ces connexions entre les personnes-là. Et l'idée, c'est de trouver les éléments centraux, donc les influenceurs, si vous voulez. Typiquement, donc, il y a une notion clé, donc c'est la centralité. Ça se mesure, ça. Donc, c'est ce qui se passe ici. Voilà, j'ai la centralité. En fait, ça, c'est un exemple célèbre. C'est le club de karaté de Zachary. Et dans le club de karaté de Zachary, il y a le président qui s'est pris la tête avec l'entraîneur. Voilà. C'est jamais bon signe, ça va. Donc, ça finit par une séparation. Et là, typiquement, si on regarde bien, donc je n'ai pas dit qui est le président, qui est l'entraîneur. Hein, mais on lance les traitements. Et par le degré de centralité, je vois effectivement que... Et donc ici, l'individu numéro 1, c'est l'élément central pour un groupe d'individus. Et là, donc l'individu 34, c'est un élément central pour un autre groupe d'individus. Et dans le plus court chemin entre ces deux individus-là, c'est des éléments relais. Donc, si je veux que ces deux personnes-là se rabibochent, c'est ces gens-là qu'il faut que j'ai, en fait, j'ai sollicité. C'est ça l'idée de l'analyse des réseaux sociaux. Hein. Il y a plein d'exemples. Moi, j'ai lu plein d'exemples sur différents cas d'actualité. On voit bien que sur Twitter et tout ça, il y a des communautés qui se montent la tête, ainsi de suite. Ça, maintenant, si on regarde ça, sous R et Python. Là, sous Python, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je charge la matrice d'adjacence, voilà, je charge les données karaté. Ensuite, je manipule les matrices, voilà, ainsi de suite, voilà, et ensuite je lance les traitements. Je fais un graphique du graphe, voilà, et ensuite je l'affiche. Alors, quand j'ai testé ce matin, c'est là aussi un autre problème des logiciels libres, c'est à nous de vérifier ça. C'est que quand j'ai fait le TD l'année, quand j'ai fait mon tutoriel en ligne, ça c'est un tutoriel qui est en ligne, donc c'est le tutoriel en ligne, il y a le document qui explique tout, et il y a le code Python, qui est disponible en ligne, sur mon site de tutoriel. Très bien. Sauf que je l'ai fait avec Python 3.5. L'année dernière, c'était Python 3.5. Cette année, en répétant avant de venir ici, j'ai Python 3.6. Oui, j'ai mis à jour ma version de Python. Le package iGraph, il ne marche plus. Ah. Donc j'ai essayé de regarder comment faire, mais non, ça m'allait prendre une heure et demie, si vous voulez. Et là, typiquement, non, j'ai laissé tomber. Donc ça peut être un enjeu fort. Déjà, c'est les choix des packages. Est-ce que le package est performant ou pas? Est-ce qu'on a la bonne version? Ainsi de suite. C'est là que ça joue le choix. Typiquement, j'ai refait la même chose sous R. Typiquement, c'est le TD que je vais faire cette année. Ils ne le savent pas encore, mais maintenant ils vont savoir, du coup. Oui, c'est vrai. Il n'est pas là. Ah non, il n'est pas là. Il est ici. Tac, tac, tac. Tac. Ça, c'est Reuters. Il est où, là? Communauté. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le code Python. Et là, c'est le code R. Mais dans le code R, regardez, il n'y a aucune difficulté. Je charge les données, à un moment donné, puis j'ai la matrice d'adjacence que je vais construire là, et ensuite je peux plotter le graphe. Et après on fait les traitements pour trouver donc les degrés de centralité, et puis trouver ainsi de suite. Si on regarde bien les deux codes en parallèle, typiquement, en réalité, il n'y a aucune différence. C'est exactement la même trame.
La seule différence, c'est la syntaxe. Mais la trame, elle reste là. Voilà. Alors, dernier élément, mais je montrerai très rapidement. Ça, il faut que je le mette en ligne un de ces jours. Malheureusement, dernier élément, puis je m'arrêterai là. Mes étudiants de l'année dernière avaient fait un projet text mining. D'ailleurs, j'ai passé mon week-end à programmer cette année, là. Ils le savent bien. Je les ai en soutenance lundi. Hein. Comme ils savent que je suis très pinailleur, donc je vais regarder sans détail. Ça, c'était un projet de l'année dernière où je leur ai dit la chose suivante. Vous allez faire un projet text mining. Alors, c'est à vous de choisir les sujets. C'est toujours mieux quand les étudiants choisissent. Hein. Je donne un cadre. Voilà, un sujet d'actualité à l'époque. Cette année, c'était le sport. L'année dernière, c'était un sujet d'actualité. Voilà. Et j'aimerais que vous fassiez un traitement. Donc, vous racontez l'histoire à partir des données. En mettant en œuvre les compétences qu'on a apprises ensemble. Il ne s'agit pas de faire la pause, si vous voulez. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris donc une série donc, d'offres d'emploi sur Indeed, sur APEC, ainsi de suite. Et ensuite, donc, ils les ont lues une à une. Ils ont passé des nuits entières dessus. J'imagine. Hein. Ils les ont lues une à une et ils les ont étiquetées à la main en disant cette offre-là, c'est plutôt chargée d'études. Cette offre-là, c'est plutôt et donc data scientist, ainsi de suite. Et dessus, ils ont monté une application. Donc je monte très rapidement, j'en ai pour 2 minutes et je m'arrête. Voilà. Je monte, ça c'était sous R. Voilà l'application Shiny. Tac, voilà, je lance. Voilà, l'application Shiny. Voilà. Et donc là, ici, on a l'ensemble. Alors, directory. C'est là que ça ne va pas marcher. Oh. Ah, si, si, il charge les données. Ah, c'est parce que j'ai mis plein de choses, du coup, ça, c'est un peu lourd à charger. Voilà. On a les documents qui sont là. Je peux vivre ou non? Voilà, voilà. Donc là, c'est les offres d'emploi chargées d'études. Si je vais sur Data Science, on a les offres d'emploi également, ainsi de suite. On peut aller sur les uns et les autres pour les vérifier. Par exemple, celui d'Amazon, là, si on le voit. Voilà. Ici, on voit le détail, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, on va sur les offres d'emploi. Voilà. Et on va chercher les mots-clés, en fait, qui permettent donc de les distinguer. Alors, là où c'est très spectaculaire, c'est les Word Cloud. Qu'est-ce qui se passe sur les Word Cloud? Ils ont fait un Word Cloud sur donc, les différents types d'offres d'emploi. Donc ici, je prends un premier, donc c'est la pondération binaire, donc c'est la présence ou l'absence du terme dans l'offre d'emploi. Et là, je prends ici l'offre d'emploi, c'est chargé d'études, statistiques. Voilà. Donc dans chargé d'études statistiques, les mots-clés qui apparaissent le plus souvent, c'est statistique. Ce qui n'est pas étonnant, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Ensuite, il y a SAS, effectivement. Il devrait y avoir Excel quelque part. Non, il n'apparaît pas. Non, il devrait apparaître. Non, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Voilà. Et si je prends maintenant ici Data Science, tac, je prends la pondération binaire, je clique sur Change. Voilà. Et, ah bah si, maintenant il apparaît. J'ai oublié de cliquer sur Change. Regardez, ce qui différencie le chargé d'études classique, avec beaucoup d'offres d'emploi encore, hein. Vous allez sur le site de l'APEC, il y a 400 offres, je vous montrerai tout à l'heure. Hein, c'est... Il y a toujours statistiques, ça ne change pas. Voilà. Et si on va sur les outils, il y a des bases de données, parce que les données sont dans des bases de données. Et ensuite, il y a Excel et SAS, qui sont les outils privilégiés dans les zones d'emploi statistiques. Si on va sur les data science, le mot-clé numéro 1, il ne change pas. C'est statistique toujours. Hein, parce que la base des méthodes de data science, c'est des méthodes statistiques, c'est du statistical learning. Hein, donc ça ne change pas ça. Ce qui change, c'est quoi? C'est les pratiques et les outils. C'est exactement ce qui se passe là. Il y a Python et R. Ils les ont mis même collés. Non, c'est un hasard, hein, parce que dans les workloads, c'est mis au hasard. Hein. Donc, il y a Python et R. Donc, c'est des outils phares. C'est vraiment des outils phares. Hein. Et c'est ce qui distingue. Et dans les offres d'emploi, ils ont fait une petite analyse. Dans les offres d'emploi, un outil prédictif se forme ici d'arbre de décision. Voilà. Et voilà. Quand on a des offres d'emploi, une bonne manière de les classer, si c'est data science ou pas, c'est l'apparition du mot Python, qui est un vrai phénomène de mode. Qui est un vrai phénomène de mode. Comme les phénomènes de mode, il faut les prendre avec prudence toujours. Hein. Mais dans l'esprit des recruteurs, c'est ça qui est important, c'est ça que je dis tout le temps à mes étudiants. C'est que nous, on pense des choses, on a une certaine vérité, parce qu'on réfléchit tout ça. Mais il faut qu'on tienne compte de ce que pensent les autres. Et les autres, pour nous, c'est les gens qui embauchent nos étudiants. Et dans l'esprit des recruteurs, Python, maintenant, est indissociable et donc à la data science. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faut absolument qu'on en tienne compte. Et c'est pour ça que je les charge là-dessus. C'est pour ça que je les charge là-dessus. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il ne reste plus qu'un transparent, puis je m'arrête. Voilà, voilà. Ça, c'est l'étude Gartner dont j'avais parlé. Donc, il y a 2 études qui sont intéressantes. Sur le site Calinugas, vous les trouverez. Hein, j'ai mis les références. Hein, voilà. Sur le site, voilà. Bah, R et Python apparaissent ici. Et si on ne veut pas R et Python, si on ne veut pas de R et Python, moi, je conseille Naïm, qui est là. J'en avais parlé au début. Hein.
Voilà. Il y a toutes les fonctionnalités. Si vous allez sur mon site de tutoriel, je le montre à la fin pour que vous voyez bien. Sur Naim, on peut voir en fait qu'il y a un système de plugins, voilà, comme des paquets si vous voulez. On peut les installer et il est super performant. Le seul bémol par rapport à Naim, c'est la documentation. Le temps que je passe pour faire une opération, je passe mon temps à regarder qu'est-ce qu'ils en disent sur les forums. Pourtant, je m'y connais un peu, hein. Mais je regarde comment ça marche, je cherche, je teste. Alors, moi, je peux perdre une demi-journée, c'est une demi-journée de fonctionnaire, ça va vite, hein. Mais en situation réelle en entreprise, c'est pas pareil. Vous avez des délais de productivité, il y a des délais de productivité, il y a des contraintes de temps et tout ça. On peut pas perdre une demi-journée pour chercher une commande. Ah non, on est bien d'accord. C'est le vrai problème là-dessus. Voilà. Donc, moi, j'écris plein de tutoriels sur Naim quand même, parce que je pense que c'est un investissement qui peut être intéressant. Voilà. Et sur l'étude Gartner, également sur les outils, il y a une série de troupes là, et Naim apparaît également. Ce qui est intéressant dans Naim, c'est qu'il est pleinement fonctionnel, mais donc il manque la partie Big Data qui met sur la partie payante, et il y a très peu de docs. Voilà, c'est le seul vraiment. Très bien, je m'arrête là, et je dis la chose suivante, il ne faut pas choisir entre R et Python, il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux, et surtout, le surcoût de l'un à l'autre, il est négligeable. Il est vraiment négligeable. Pour bien le montrer, je vous montre le site. Finalement, je ne suis pas allé souvent sur Internet, ce n'est pas grave, mais bon, c'était important quand même. Ça, c'est mon site de référence. Sur ce site-là, on peut voir tout ce que je fais. Je mets dessus, donc ici, c'est toute mon activité. Ça permet de savoir si je bosse ou pas, par exemple. Voilà. Donc voilà, l'exposé d'aujourd'hui, je l'ai mis là. Je l'ai mis là, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire Python. Regardez bien. Python, donc j'ai découvert en 2014, je me suis décidé à le faire en 2015, et quand j'ai préparé le cours, je l'ai fait pendant l'été, juste avant la rentrée. Et voilà, et ça m'a pris un été. Un été pour préparer tout le cours entier. C'est très faible en réalité. Je ne connaissais pas du tout Python avant. Je remonte ici, voilà. Donc je remonte ici en amont, regardez. Donc, fin juillet 2015, il fait chaud, ça y est, c'est les vacances, tout va bien. Donc, j'ai le temps maintenant. Donc, je commence à regarder, est-ce que je vais me lancer dans Python ou pas? Je réfléchis en amont pendant les vacances, et je me dis, je vais le faire vraiment. Et une fois qu'on le lance, on le fait vraiment. Il ne va pas s'éteindre, là. Voilà. Donc, ici, le 22 juillet, je me lance, on est d'accord. Ensuite, j'ai le 24 juillet, c'est le premier transparent. Ensuite, le 28 juillet, c'est les collections. Ensuite, le 31 juillet, voilà, le 4 août, le 7 août, je remonte un peu en amont, voilà, là, c'est le 11 août, voilà, le 14 août, mon cours est quasiment prêt, on est d'accord, finalement, le cours est très faible, voilà, et le 14, entre le 14 et le 30, je pars un peu en vacances quand même, ça m'arrive, et le 30, je continue, et mi-septembre, j'étais devant les étudiants. Donc, ce que je maîtrisais, c'était R, ce que je maîtrisais, c'est la programmation, et le passage à Python, ça a pris un mois et demi, et après, je pense, ils me diront est-ce que le cours était bien fait ou pas, mais en tout cas, je peux transmettre une vraie compétence aux étudiants. Et c'est ça qui est important. Donc, R et Python. C'est plutôt le message que je voulais passer aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, j'ai un peu de témoignement. Si vous avez des questions, du coup. Apparemment, il y a de la bière en même temps. Il faut répéter la question pour que ça passe au micro, si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Il faut répéter la micro pour que la question passe au micro. J'ai un peu assommé tout le monde, peut-être, non ? Je ne sais pas. Comme justement, maintenant, on sait que R et Python, c'est pareil, du coup, on ne va pas vous poser la question. Alors, finalement, c'est quoi ? Oui, j'ai répondu à la question dès le départ. Oui ? Vous avez évoqué Naim tout à l'heure et pas du tout RapidMiner très très vite. Vous dites Naim c'est mieux que RapidMiner, c'est... La raison pour laquelle je pense que Naim est mieux que RapidMiner... Oui, donc la question, merci monsieur. La question c'est, j'ai parlé beaucoup de Naim effectivement, et je suis passé vite sur RapidMiner. Voilà. Et en fait la question pour laquelle je parle peu de RapidMiner, c'est qu'ils ont mis une version limitée. Donc la version free maintenant de RapidMiner, c'est une version qui est limitée. Voilà. Donc moi je considère que c'est pas très fair play. Enfin, j'imagine, c'est pour ça que, en termes de fonctionnalité, je pense qu'ils sont à peu près pareils. Et d'ailleurs, j'ai fait une série tutoriel où je compare les deux, et je montre que c'est à peu près pareil. Mais le fait qu'un dit « je suis libre, mais limité », du coup, très bien, qui vit sa vie, moi, du coup, j'ai investi plus dans elle, c'est clair, par rapport à ça, par rapport à la limitation de la version, tout simplement. Oui ?
question. On a bien compris le message, hein, R et Python. Et avec votre expérience des logiciels, vous pensez qu'ils ont une longue vie devant eux ou ça risque encore dans 4-5 ans de repartir sur un autre langage? Alors la question, c'est est-ce que R et Python, c'est ad vitam in aeternam, ouais, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Ben, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a, en fait, il y a un phénomène de mode aussi. Et ça, on ne maîtrise pas ça. On maîtrise pas ça. Et en fait, pour le savoir, ben, il faut s'intéresser aux fonctionnalités. Donc typiquement, il y a un étudiant chez moi qui m'avait beaucoup parlé de Python, avant que je fasse le cours de Python. Il m'a dit, monsieur, vous avez vu Python et tout ça? Maintenant, il est dans une entreprise SS2J, j'ai oublié le nom, c'est Vincent Boiturier. Il m'a dit, Rico, regarde Julia. Julia, c'est un truc super bien. Donc j'ai un peu regardé tout ça. Et est-ce qu'il y a un vrai gap là-dedans ou pas? Ben, on n'arrive pas à le maîtriser. Et en fait, je pense que pour réfléchir un peu à long terme, c'est sur les fonctionnalités. C'est-à-dire, c'est quels sont donc les besoins à venir pour les différentes tâches qu'on aurait, nous, à résoudre. Et dans ce cadre-là, c'est quel type de langage ou quel type d'outil va émerger et va être vraiment percutant là-dedans. Là, typiquement, donc, le fait que Python surpasse R dans les votes et tout ça, je pense que c'est un phénomène de mode. Parce que fonctionnellement, il n'y a pas une vraie différence. En revanche, il y a certains packages Python qui sont largement meilleurs que ceux de R. C'est clair également. Mais ça dépend des domaines. En deep learning, typiquement, il y a des packages Python qui sont très bien. Je suis bon, là, j'ai plein de cours et tout ça, mais à partir du moment où j'aurai moins de cours, cet été, je vais essayer de réfléchir à écrire des séries de tutoriels de deep learning sous Python. Il faut déjà qu'on comprenne exactement ce que c'est que deep learning, parce que là aussi, c'est un fantasmagorique, si vous voulez. Mais une fois qu'on comprend bien, est-ce qu'il y a des cas d'études, des cas types et tout ça? Et il y a des fortes chances que je le fasse sous Python, parce que les packages Python semblent, a priori, pour l'instant, plus déterminés. Donc c'est plus par rapport aux fonctionnalités qu'il faut réfléchir, et la visibilité, on l'a, elle est courte, hein. Elle est courte. Hein. 4-5 ans, effectivement, oui. Elle ne va pas aussi loin. Oui. Moi, je me demandais, que tout ce qui était data mining et machine learning, il y a 10-15 ans, on avait commencé sur Weka, Tanagra, il y avait Orange aussi. Oui. Et c'était des outils très interactifs, et avec beaucoup d'animation, avec beaucoup de visualisation. Et pour des problèmes de flexibilité, on est passé à du code, donc Python et R. Et est-ce qu'à une époque, on se pose la question de l'interprétabilité des modèles? Est-ce qu'on ne va pas revenir sur un Tanagra 2 ou un Weka 2 ou, c'est-à-dire avec peut-être toujours autant de flexibilité et des interfaces avec Python et R et... Là, en fait, il y a deux... Enfin, donc la question, c'est... la question n'est pas longue, hein, mais... la question, c'est l'interprétabilité des modèles, c'est ça, hein, ouais, qui sont sortis. Et effectivement, là-dessus, R et Python n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Quand je vois les sorties de Scikit-learn sur les arbres, où on n'a pas un arbre graphique, typiquement, il faut générer un PostScript, enfin un truc, je l'ai fait, hein, mais moi, je ne suis plus capable de le faire parce que j'ai le temps de le faire. Mais les gens qui veulent interpréter les résultats... voilà. Alors apparemment, ils ont fait des efforts, mais je n'ai pas testé ça. Là, il y a un effort à faire. Et je prends un autre exemple également. Il y a le package, par exemple, LDA, sur lequel j'ai fait travailler mes étudiants, donc c'est l'analyse discriminante. Les sorties ne sont pas conformes à ce qui se fait normalement dans la pratique usuelle des statistiques. Donc là, typiquement, ce n'est pas tellement les outils, c'est l'effort qu'on va faire, les gens qui font des packages, pour sortir des résultats plus conformes à la pratique à l'entreprise, hein, de ces modèles-là. Voilà. Et ça, c'est une question de programmeur de package, ça, en réalité. Donc on peut avoir ça avec ces outils-là, mais il faut que les gens qui fassent des packages fassent cet effort-là. Et je pense qu'il y a deux aspects. Il ne faut pas attendre ça des chercheurs. Ça ne les intéresse pas. Les chercheurs, ce qui les intéresse, c'est de publier. Donc, ils ne font aucun effort sur les sorties. Je prends, par exemple, j'ai un cours sur les réseaux de neurones, donc j'utilise donc CNNNet. Ils sortent une série de coefficients totalement abscons, avec des petits dessins, et c'est ingérable. On ne peut pas lire ce qui se passe dans le réseau avec ça. Et là, typiquement, c'est uniquement un effort à faire sur les sorties, en réalité. Ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est l'effort à faire sur les sorties. Et on ne peut pas attendre ça des chercheurs, parce que ce n'est pas leur attente, ce n'est pas leur métier. Ça peut venir que des gens qui veulent créer des packages professionnels. Ça peut venir de nous. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. C'est un métier. C'est un métier et il faut un investissement. Et dans les logiciels comme Nime, typiquement, la régression logistique, typiquement, ils l'ont fait évoluer. Ils ont sorti une série de coefficients d'abord. Maintenant, je vois que dans les sorties, il y a les tests de significativité dans la variation logistique. Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est faite sur la lecture des résultats, qui n'était pas faite avant. J'imagine que ça va évoluer dans le bon sens, j'espère. Les gens sont impatients pour les bières.
la question quand même. Merci à vous d'être venu.